C'est parti pour le live. C'est parti, let's go, c'est parti mon choco. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Aujourd'hui, tout nouveau stream sur la chaîne YouTube. Le stream est très très cool, ça va être trop cool. Je vais essayer de devenir une animatrice sur Fortnite. Oui, une animatrice. Vous savez, dans les centres aérés et tout. Et bah, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui devenir animatrice, ça va trop bien, genre, j'ai essayé d'être maîtresse, j'ai essayé de devenir plein policière, et ben je me suis dit pourquoi pas devenir animatrice. En plus, qui dit animatrice, dit peut-être aussi métier. Si j'arrive à faire mon métier correctement, je vais peut-être devenir animatrice à vie, je sais pas. J'espère que ça va bien se passer, en tout cas ils ont besoin de renforts, et j'espère que tout va bien se passer. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat là? Écrivez tous... Non, vous savez quoi? Vous allez tous mettre un emoji feu dans le chat. Mettez tous un emoji feu dans le chat. Feu avec un chocolat. Merci beaucoup Céline Morales qui s'est sponsorisée à la chaîne YouTube en tant que Baby Choco. C'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup à toi. C'est trop 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 gentil. C'est vraiment trop sympatoche. Un maximum de GGO. Et de feu. Allez, mettez plus de flammes là. Je vais voir plus de flammes dans le chat. Allez, allez. Non mais non, non, je veux voir plus. Plus, plus, le live a débuté, non, plus. Plus. Ok, maintenant tout le monde fait le compte à rebours. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, chuu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 u
Alexa, loulou. Alors vas-y, tu me montres, c'est qui est qui là? Mais attends, c'est pas lui ton petit copain ça? Bah si, ça c'est Alex. Mais c'est Alex, ok. Ici il y a Alex, ici c'est qui ça? Bon, je sais pas, ils sont bizarres. Je vais devoir vraiment devenir animatrice. Eh non, 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 non. Ça c'est Ilsi. Ilsi? Oh, j'aime trop tes tresses. Tes tresses sont trop mignonnes, loulou. Trop choupinou. Et vous êtes là depuis combien de temps? Vos parents vous ont ramené là puisque c'est le matin? Vous ont ramené au centre de loisirs? Oui, ça fait depuis un an. Ça fait un an que t'es au centre de loisirs? Tous les vacances et tout? Oh, bibiche. Ok, tu me montres encore un petit peu, Lexa? Allez, pardon, pardon, excusez-moi. J'arrive pas à passer, merci. Y a qui d'autre? C'est qui ça? Là, c'est Raz. Il s'appelle Raz. Il a une chaîne sur le cou et tout, ok. Et puis lui, c'est qui là qui est en train de jouer là-haut? Il s'appelle comment lui ou elle? Bah non, c'est un garçon, je crois. Il s'appelle comment, Alexa? Je sais pas. Tu sais pas comment il s'appelle? Oui, j'ai peur de lui. Pourquoi t'as peur de lui? Oh non, bibi! Non, n'aie pas peur, d'accord? Tout va bien, loulou. Ok, bah attendez, vous allez tous venir. Bah c'est moi du coup l'animatrice, c'est ça, si j'ai bien compris. Et il est passé où l'animateur? C'est quoi cette école, bizarre? Où est passé l'animateur? Il m'a laissé déjà? Ah d'accord, donc là il vient de me laisser seule avec les enfants, d'accord. Allez, suivez-moi, les enfants, suivez-moi. Moi j'ai jamais été animatrice, je sais pas comment je vais faire. Dans le chat, aidez-moi à trouver des activités à leur faire faire, je sais pas. Les enfants, allez, suivez-moi, pop, pop. Oh, je pense qu'on va aller, on va se poser en classe. Mais pas, on va pas faire la classe, d'accord? C'est vraiment, aujourd'hui, c'est l'animatrice. Je suis Choco Animatrice. Appelez-moi Chocolat and Animatrice dans le chat. Merci encore, Mathaï Berus, qui vient d'envoyer 5,49€. C'est trop gentil, merci beaucoup pour ton soutien. Je vais t'envoyer une demande d'amis. Même si, normalement, j'en vois pas de demande. Mais merci beaucoup pour ta donation, bien sûr, je te demande. Ok. Les enfants, asseyez-vous tous. Alexa, toi aussi. C'est pas parce que t'es ma fille que tu ne dois pas t'asseoir. Allez, Alexa. Allez, Alexa. J'ai peur. Pourquoi t'as peur? Non mais on va pas faire un quelqu'un a dit un cache-cache. Allez, assieds-toi, arrête de faire du bruit toi loulou. Arrête, non, je suis animatrice aujourd'hui, vous devez me respecter. Pas de bruit. Alors asseyez-vous tous. Ok, alors dites-moi ce que vous faites vous en tant qu'enfant. Généralement les animateurs et animatrices vous font quoi comme activité? Vous faites quoi ici? C'est qui m'a parlé? C'est qui m'a parlé les enfants? C'est moi. C'est qui moi? Venard. C'est... Oh, Nyan Bibiche. Ok, alors, vous faites quoi comme jouet? Bah, on fait des activités comme cache-cache dans tout le centre. Ok, et vous faites quoi d'autre? On joue aux jeux de société. Aux jeux de société? Ah, mais je crois pas que là, j'ai des jeux de société. Enfin, ici, j'ai quelques petits jeux. Ok, je vais essayer de regarder. Est-ce que quelqu'un peut surveiller? Est-ce que quelqu'un peut surveiller? Toi, tu veux... je veux dire ma petite fille Lexa, c'est pas grave. Toi, peut-être pour tout à l'heure. Lexa, vu que t'es ma fille, je te laisse surveiller rapidement. Vous faites pas de bêtises. Je vais juste aller vérifier, regarder un petit peu partout dans la petite map pour voir s'il n'y a pas des petits jeux, d'accord? Tu les surveilles? Tu les surveilles, Lexa? Lexa! 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 Ah, c'est bon, je t'entends. Ok. Je t'entendais pas. Ok, vas-y, tu les surveilles, pas de bêtises. Je viens de dire quoi, là? Je viens de dire pas de bêtises. On n'est pas à l'école, d'accord? Et si c'est le centre de loisirs, normalement, c'est chill. Ok? Donc, pas de tag, pas de graffiti quand je reviens. Pas de problème, pas d'embrouille. Ok. Bon, je sais pas, ils sont vraiment louches, ces enfants. J'espère juste qu'ils vont pas faire de bêtises. Mais en fait, là, faut juste que je regarde un petit peu. Parce qu'il m'a même pas montré l'animateur. J'ai jamais vu un animateur comme ça. Une école, t'as peur. Hein. Vraiment, écrivez tous une école, t'as peur dans le chat. Il faut que je regarde s'il y a pas des petits jeux de société. Pour que je puisse voir qu'est-ce que je pourrais faire comme activité. S'il y a pas de jeux de société, je fais comment, moi? Y a quoi? Ok, ils ont des petits jeux, là. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? D'accord, il y a un petit... c'est quoi ça? Ah, en vrai, au pire, je me casse pas la tête, hein. En tant qu'animatrice, je les mets. Je leur dis, allez jouer. Et c'est tout. Qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Non. S'ils ont... Ils se font un petit foot, qu'est-ce que je pourrais organiser? Je pourrais, ouais, c'est vrai, organiser un petit foot. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je sais pas. Attendez, c'est quoi ça? Un petit plateau, ok, non. Au pire, je pourrais faire un petit foot, soit il y a un basket, soit ils peuvent faire du rugby aussi, non.
Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre à faire? Qu'est-ce que... Donnez-moi dans le chat. Eh, hey, je suis nulle, moi, en tant qu'animatrice. Genre, j'ai vraiment zéro idée. Mais quand je vous dis zéro idée, c'est que je suis... Eh, hey, normalement, moi, je suis pas animatrice, je suis youtubeuse. Merci beaucoup pour ta donation, Mathis Saberu, qui vient d'envoyer 5,49€, c'est trop gentil. Code Choco. Ah, c'est trop gentil. Mais Choco, t'as oublié le H à la fin de Choco. T'as oublié le H dans Choco. C'est C-H-O-C-O-H. Le chat, comment on écrit Choco? Comment on écrit code créateur Choco? C-H-O-C-O-H. Au pire, tu les laisses libre. J'avoue que ça pourrait être une très bonne idée. Et merci beaucoup, Aline, qui vient d'envoyer aussi, qui vient aussi te sponsoriser à la chaîne YouTube. C'est trop gentil, merci beaucoup. Alors. Les enfants, c'est bon, il n'y a pas eu trop de bêtises? Les loulous, il n'y a pas eu trop de bêtises? Les loulous! Pourquoi personne me répond? Vous avez peur de moi ou quoi? Ok, il n'y a pas eu de bêtises. Tu me promets, Lexa, il n'y a personne qui a fait des bêtises. Tu m'assures? Non. Okay. Sauf celui, j'ai peur là, il m'a regardé bizarrement. T'inquiète pas, personne va te faire quelque chose, surtout quand je suis là. Mais pourquoi cette personne me suit? Qui est cette personne là? Vous la connaissez? Parce que depuis tout à l'heure, elle me suit. Elle est bizarre cette personne. Les enfants, vous la connaissez ou pas? Mais trop bizarre. C'est l'animateur? C'est l'animateur. Mais il est trop bizarre l'animateur. Vous avez vraiment des personnes bizarres. Hein. Je vais vraiment prendre le relais aujourd'hui pour devenir votre animatrice. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais en vrai, il y a des âmes qui se promènent. Je sais pas, je vous jure, une personne depuis tout à l'heure qui me suit, je savais pas c'était qui. Mais cette personne-là arrête de me suivre en fait. Mais ça va pas. Ok, donc j'ai parlé un petit peu avec des personnes qui puissent m'aider à ce qu'on pourrait faire. Mais là déjà, premièrement, il y a des gens qui se trompent. Et j'aimerais savoir si vous aussi vous vous trompez. Vous écrivez le code créateur Choco comment? C'est vraiment la première question que je veux savoir là. C-H-O-C-O-H. Ok, attends, toi, répète. C-H-O-C-O-H. Ok, d'accord, ça me rassure. Parce qu'il y en a plein qui se trompent et qui écrivent c'est Choco sans le H à la fin. Merci encore, c'est trop gentil. Merci à Mathis qui vient de renvoyer 5,49€ code créateur Choco C-H-O-C-O-H. Ah là, t'as bien écrit, merci beaucoup pour ton soutien. Faites tous une petite émote. Une émote. Allez, je suis animatrice aujourd'hui, allez, je vous anime, allez, une émote. Et toi derrière, une émote, vite, une émote. Ok, voilà, aujourd'hui je suis votre animatrice, je veux que vous soyez tous chauds, pareil dans le chat, vous soyez tous chauds, mettez tous un emoji qui fait une danse. Allez, mettez-moi du feu, enflammez-moi ce chat, vous avez compris? Allez, maintenant les enfants, vous me suivez, on va tous aller dehors. Merci pour les 1000 pouces bleus. Ah non, mais là, je vais voir plus de pouces bleus, là, les loulous. Suivez-moi, allez, vous fermez bien la porte derrière. Hop. Fermez bien la porte derrière, ok. Et vous me suivez, les loulous. On va faire plein de petites animations, ça va être le feu aujourd'hui. Ça va être le feu, le fire, d'accord? Allez, vous mettez juste ici, vous allez vous mettre en ligne. Vous allez vous mettre en ligne devant moi. Allez, hop. En ligne. En ligne horizontale, d'accord? En ligne horizontale. Allez, Lexa. Allez, en retard. Toujours à la bourre, Lexa. Pardon. Eh, non, tu ne pièges pas ma fille. Non, mais vous ne vous piochez pas quand même. Arrêtez vos bêtises. Alors, les enfants, je pense qu'on va faire une petite animation. Qui connaît l'animation du Jacadi? Qui connaît? Moi! D'accord, faut pas crier comme ça, Loulou. C'est qui vient de crier moi? Qui vient de crier moi? C'est moi! C'est toi? Ok. Ah! Oh my god! Quelqu'un vient d'envoyer 50€ dans le chat. On va faire le Jacadi. Mais avant, je vais voir tout le monde faire une émote. Allez, tout le monde fait une émote. Mais what? Merci beaucoup, Mathaïs. Qui vient d'envoyer 54€. Tout le monde met un emoji flamme. Mettez tous un emoji flamme dans le chat. Attendez, mais là, faut que je fasse une émote. Oh my god. Je veux voir plein de GG. C'est énorme. Merci encore pour ton soutien. Plein de GG. Mais c'est incroyable. J'arrive pas à m'en rendre. C'est trop gentil. Mais t'es trop généreux. Ok. Ah, oh, quelqu'un vient de mettre un petit GG, c'est trop mignon. Bah, merci encore. Allez, du coup, maintenant, merci pour tous vos GG, merci pour tous vos petits cœurs. C'est trop sympa. C'est trop gentil. J'ai pas de mots. Bon, va falloir qu'on se reconcentre. Hé, Loulou, merci pour tes fleurs, mais là, on se concentre. Vous vous asseyez et vous m'écoutez. Alors,
vu que je suis aujourd'hui votre animatrice, j'ai réfléchi un petit peu à des animations avec les abonnés. La première animation que je pense que nous allons faire, c'est un jacadi. Tu voulais expliquer les règles. Vas-y, explique les règles du jacadi. Alors, quand tu dis jacadi, sauter, ben on doit sauter. Voilà, et quand... Et si tu dis sauter, eh ben il faut pas sauter parce que t'as pas dit jacadi a dit. Eh oui, oh, t'as bien expliqué les règles. Je pense que normalement tout le monde a compris, mais je réexplique un petit peu en bref. Les règles sont très très simples. Je vais vous dire choco. Moi, je vais modifier du coup les règles, je vais dire choco. Donc je vais dire choco a dit levez-vous. Et donc là, exemple, choco a dit levez-vous. Vous devez tous vous lever. Et le perdant, du coup, devra se mettre sur le côté. Donc choco a dit levez-vous. Allez, levez-vous, ok. Descendez-vous, accroupissez-vous. Eh ben non, vous voyez, toi et toi en plus, tu viens de dire les règles. Non, loulou, non. Tu viens de dire les règles et pourtant t'as pas réussi. Quand je vous dis levez-vous, vous devez vous lever. Et quand, enfin, vous devez pas vous lever parce que j'ai pas utilisé le préfixe choco a dit, d'accord? Vous avez tous un petit peu compris? Vous avez tous compris? Oui. Ok. Alors. Est-ce que vous êtes chaud là? Est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Oui. J'ai l'impression que vous êtes trop mou. Hey, là, levez-vous, allez. Soyez chaud. Quoi? J'ai envie de faire le jeu. T'as envie de faire le jeu? Mais j'ai l'impression que vous êtes tout mou là, que vous avez envie de dormir. Si vous avez envie de faire la sieste, c'est là-bas. Hein. Ici là, c'est pour jouer. D'accord, aujourd'hui je suis animatrice. Mais vous devez être tous chauds. Vite! Non, mais Lexa, t'as pas envie de dormir toi par contre. Dis-moi pas que tu veux. Elle se met sur le côté. Ok, le jeu. Allez, mettez-vous tous en ligne. Merci beaucoup. Mathaï Beru. Oh, moi je vous aime. Oh non. Ok, Choco a dit pour Mathaï. Ok, pour Mathaï, je veux. Choco a dit, faites une émote. Allez, faites une émote. Choco a dit, faites une émote. Choco a dit, faites une émote. Ok. Lexa a un peu pris de temps. Hein. Fais attention parce que là, ça va être éliminatoire. J'ai mal aux jambes. Choco a dit, arrêtez l'émote. 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 Loulou, t'... Non. T'as perdu, mais t'as la chance, c'était la game, on va dire, des chauffes. C'était l'entraînement. Là, maintenant, ça a plus compté pour du beurre, d'accord? Ok? Donc, faites attention. Merci beaucoup, Lina Zeltan. Oh mon dieu, t'es un chétan. Merci beaucoup pour tes 2,29€. Salut. Coucou, comment vas-tu? Alors, du coup, pour Lina Zeltan, Choco a dit, faites une émote. Choco a dit, faites une émote. Faites une émote. Ah, je suis désolée, toi t'as perdu, t'as pris trop de temps, t'es le dernier. Moi je danse bien, nanana. Ouais, j'aime bien ta petite émote. Loulou, il faut que tu te mettes sur le côté puisque t'as perdu. Allez, tu t'appelles comment déjà? Raz, oups. Non mais qu'est-ce que je fais? Désolée. Raz, t'as perdu, il faut que tu te mettes sur le côté s'il te plaît. Oh non, il a fait un petit... Oh, trop triste, tout neuf. Bon, allez, maintenant... On va faire... Ah, vous êtes combien? Vous êtes 4. C'est bientôt la finale. Choco a dit arrêtez immédiatement l'émote. Choco a dit arrêtez. Choco a dit accroupissez-vous. D'accord. Merci beaucoup, Iconique Doré, pour tes 2€. Tu es la best. Mon épique, c'est Choco. Oh, c'est trop gentil. Bah attends, je vais t'ajouter en ami. Oh, mais vous êtes trop généreux, c'est trop... Ok, je t'ajoute. Hop, ajoutez aux amis. Alors, du coup, pour Iconique, faites une émote. Pour Iconique, faites une émote. Non! Vous êtes tombé dans le panneau! Non! Vous trois, vous êtes tombés dans le panneau! Mais du coup, la première personne qui est tombée dans le panneau, c'était toi. Non! J'ai dit pour Iconique, faites une émote et j'ai pas dit Choco a dit faites une émote. Bibi! Non! Si. Allez, tu te mets sur le côté. Il va falloir que tu ailles jouer avec les autres là qui sont derrière. Ça se joue maintenant entre vous trois. Attention, parce que là, c'est éliminatoire. C'est vraiment éliminatoire, d'accord? Dans le chat, vous pensez qu'il va gagner entre lui? Bah le gars de Alexa, c'est bien Alex, est-ce que je me trompe à chaque fois entre Alex et Axel? Merci Camille, vraiment. C'est Alex ou Axel, Loulou? C'est Alex. Pardon, je me trompe à chaque fois, entre Alex et Alexa. Vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir vous faire? Avouez là, vous stressez un petit peu. Avouez, vous stressez un petit peu, les loulous. Vous stressez? Ah, mais Alexa! Oui. Oh. Ils sont en train de dire Alexa, je suis morte. Ok. Choco a dit... Faites rien, ne bougez pas. Ok. Ah là, ça se joue entre vous trois. Choco a dit... Tournez-vous, vite. Ok. Non, tournez-vous.
Ok, tournez-vous, tournez-vous, tournez-vous. Pas de mon sens, pas de mon sens. Je veux dire, tournez-vous, pas de mon sens. D'accord. Retournez-vous. Oh non ! J'ai pas dit Choco et j'ai retournez-vous. Là, c'est qui s'est trompé en premier ? Je pense que ça se joue entre les deux. C'était qui ? Eh, arrêtez le couple, vous arrêtez. J'ai pas pu bien voir c'était qui. C'était qui ? C'était toi ou toi ? Lexo. Le chat, j'ai pas pu voir c'était qui. J'ai oublié. Vous êtes des tricheurs, arrêtez, pas de triche. C'était qui s'est retourné en premier ? C'est toi. Arrêtez de vous chamailler, les loulous. Dites-moi, c'était qui ? Honnêtement, sans mentir, sérieusement. Pas de triche. On élimine les deux, hein. Vous êtes vraiment des tricheurs. Non, non, on n'élimine pas les deux. Je crois que c'était Lexa. Lexa, je crois que c'était toi. Lexa. Oui. C'est qui a dit cher ? C'est toi. Oubliez pas que c'est ma fille. Donc si je veux, la personne qui a dit cher, elle va partir. Pas de caca. Lexa, on n'insulte pas, j'ai dit quoi ? Ça va pas ? Non, mais... Lexa, je suis désolée. Je crois que c'était toi qui étais tournée en première. Bon, on continue. Merci beaucoup, Aude Rabili, qui vient d'envoyer 5 euros. C'est trop gentil, merci beaucoup. Mon pseudo, c'est Clou Notoire. Bah attends, je vais t'ajouter un ami, loulou. Attends, je t'ajoute un ami. Attention, je rappelle les règles. Les règles sont un choco à 10. C'est-à-dire que si je dis pas choco à 10, il faut pas que vous fassiez ce que je vous demande. D'accord ? On pourra refaire une partie ? Si vous êtes sage, pas de bruit là-haut. Pas de bruit, vous avez le droit d'encourager vos copains, mais pas de bruit. Alors, Choco a dit, faites une émote pour Aude Rabillier et pour sa donation, c'est 5 euros. Allez, Choco a dit, faites une émote. Arrêtez-vous. Allez, Alex. Arrêtez-vous. Non ! Alex, tu viens de perdre. Non, j'ai dit, arrêtez-vous et j'ai pas dit, Choco a dit, arrêtez-vous. Je suis désolée. Et du coup, le gagnant, c'est toi. Tu t'appelles comment déjà ? J'ai oublié ton prénom, je suis désolée, loulou. Oh, vous êtes vraiment des tricheurs, hein. Vous êtes vraiment des mauvais joueurs. Vous avez pas le droit, c'est pas gentil ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment des mauvais joueurs. C'était qui a gagné cette fois ? C'était toi ? Oui, c'est moi, je m'avais senti. Oh, tu bugs un petit peu mon lapin. Bah GG, félicitations. T'as le droit de dire ce que tu veux qu'on fasse comme deuxième activité en tant qu'animatrice. Ah, merci beaucoup, Aude Rabenier qui vient d'envoyer 5 euros. Cache-cache. C'est trop gentil. Ah, vous voulez que je fasse un cache-cache ? Ok, on va faire un cache-cache. Oui. Bah, je vais aller compter, vous avez le droit de vous dire vos cachettes et je vais essayer de vous chercher, d'accord ? Tu vas jamais me trouver. Ah bon ? Vous pensez vraiment que je vais pas vous trouver ? D'accord, ok. Allez vous cacher. Moi, je vais compter là-bas. Allez vous cacher, je vais compter là-bas. Hop, cachez-vous tous. Ah là là. Cachez-vous dans l'école. Vous avez le droit de vous cacher que dans la récréation, partout dans la récréation, parce que dans l'école, sinon, ça va être trop difficile pour moi, je suis pas non plus trop forte. Ok, allez. Hop. Moi, je vais attendre un petit peu le temps qu'il se cache. Bah du coup, merci beaucoup, Aude Rabalier, pour tes 5 euros. C'est trop gentil. Code Choco, vous êtes trop sympa. Bon, je vais attendre qu'il se cache. Est-ce que je triche ? Non, c'est pas bien tricher. Hein. Moi, jamais je tricherai quand même, ça se fait pas. Alors, où ils sont ? Non, tricher, franchement, c'est dégueulasse. Enfin, après, ça perd. On perd tout le sens du jeu, il n'y a plus de bon sens, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, tricher ? Non. Ok, alors, j'en vois un qui part là-bas, d'accord. Hein, quoi ? Vous êtes en train de me voir non, je vous ai dit non, je ne vais pas tricher, non. Non, je dis que non. Ok, j'ai rien fait, hein. Vous m'avez pas vu, d'accord ? Si quelqu'un vous demande quelque chose... On n'a rien vu. Merci beaucoup, Code Floriane, qui vient d'envoyer 5 euros. Mon pseudo, c'est Choco. Mais c'est trop gentil, merci encore pour tes 5 euros. Bah attends, je vais t'ajouter un ami. Ah non, t'as mal écrit ton pseudo, loulou, j'arrive pas à te trouver. Bah, merci en tout cas pour ton soutien, mais je te vois pas. Je te vois pas, mon ami. Ok, maintenant, je vais devoir compter. Comptez avec moi dans le chat. On compte 30 secondes. Tu triches pas du tout, dis donc. Non, je triche pas. Non, vous avez rien vu, j'ai pas triché. Allez, on se tourne, on s'accroupit et on regarde la plante. 30, par contre, 30, hein, on compte à partir de 30. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Prêt ou pas prêt, j'arrive.
Si vous êtes prêts, c'est bien, si vous êtes prêts, tant pis. Alors. Voyons voir. Je vais essayer de les trouver. Où êtes-vous ? Là, si vous n'êtes pas bien caché, je vous crame, c'est fini, hein. C'est fini. Les infos, cachez-vous bien à l'intérieur. Oui, les personnes qui sont à l'intérieur, ce sont du personnel. Au début, je comprenais pas qui c'était, mais je crois que c'est des personnes qui travaillent ici. Mais je comprenais pas au début. Alors, où sont cachés mes enfants ? Les enfants. C'est pas mes enfants, vous avez compris. Les enfants de... C'est animatrice, pas mes enfants, je suis pas famille nombreuse, quoi. Coucou, merci beaucoup Dark Sky pour tes 2 euros. Coucou Choco, mon épique, c'est Dark Sky 67. Attends, je vais t'ajouter un ami. Je vais d'abord regarder aux toilettes s'il n'y a pas quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est caché dans les toilettes ? Ayez peur ! Je vais regarder Dark Sky, hop. Je vais t'ajouter. Est-ce que c'est fait ? Ok, c'est bon. Ajoutez tes amis, merci beaucoup Max de GG. Si vous les voyez, vous me dites. Hein. Je vois quelque chose qui dépasse, attendez. Attendez, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Attendez, vous voyez ce que je vois ou pas ? Je vois un truc qui dépasse ! Je vois deux trucs qui dépassent ! Vous avez perdu ! Non mais vous êtes vraiment nuls, hein. Je vous ai trouvé quand même en premier. Non, c'est pas possible, je suis gagné. Eh ben je vous ai trouvé en plus. Non, c'était ta pioche, c'est quoi cette pioche de faucheur là ? Mais c'est qui ça ? J'arrive pas à savoir c'est qui. Mais arrête de nous suivre ! C'est un gars qui travaille dans le personnel ou je sais pas c'est qui, mais trop bizarre. J'ai perdu, je le déteste. Mais au pire, vous pouvez pas expulser cette personne, je sais pas c'est qui. Je sais pas qui est-ce. Qui est cette mais personne-là ? Je crois que c'est l'animateur. Mais qu'est-ce qu'il fait là, l'animateur ? Il est pas... Pourquoi il m'a demandé alors de venir l'aider s'il est là ? Je comprends pas. Je sais pas. Il est bizarre, votre animateur. Vous êtes sûr qu'il a pas des problèmes ? Parce que je vois qu'il marche bizarrement et tout. Votre animateur est bizarre. Il m'a toujours fait peur. Ok, bah venez, on va partir. Venez, on part, on va chercher. Vous devez m'aider à trouver les autres enfants, hein, vu que vous avez perdu. Mais vous êtes nuls. En vrai, vous avez perdu en premier. C'est vraiment honteux. Hein. Je suis désolée, mais... Bah oui, mais c'est vous aussi. Alors, on va falloir qu'on les cherche. Derrière les buissons, derrière les broussailles. Est-ce qu'il n'y a pas des... What ? Regardez. Pourquoi je me vois... Attendez. What ? Regardez-moi. Regardez-moi dans le miroir. C'est trop bizarre. Regardez ce qu'on voit dans le miroir. On me voit, mais à l'envers. Alors que, normalement, on est censé me voir de face. Ouais, mais ça fait mal aux yeux quand on revient. Ah ouais, non, venez, c'est trop bizarre. Est-ce que je serais pas un fantôme par hasard ? Hein ? Allô ? Ça bug. Alors, trouvons les autres. Mais ils sont bien cachés, les enfants. Montrez-vous. Je vais vous trouver. Les enfants. Peut-être qu'ils sont cachés derrière la nourriture, puis parce qu'ils aiment bien la nourriture. Je sais pas trop. Non, peut-être derrière le piano. Si vous les voyez vraiment, vous me dites stop dans le chat, d'accord ? Vous me dites stop. Merci beaucoup, Code Florian, qui vient d'envoyer 2 euros. C'est trop gentil. Mon pseudo, c'est Chocopombe. Ok, bah attends, je vais essayer de te retrouver. Je vais essayer de te renvoyer une demande d'amis. Et merci beaucoup, Aude, pour tes 5 euros. C'est quoi le code de la map ? Bah là, j'ai pas le code de la map, du coup. Mais je vais peut-être te prendre des abonnés. Peut-être qu'il y a d'autres abonnés qui vont venir en tant qu'enfant, puisque je suis une animatrice. Peut-être qu'on va prendre d'autres enfants pour venir avec nous durant ce live. Et merci aussi, Leichi, qui vient de se sponsoriser à la chaîne YouTube. C'est trop gentil. Merci à vous. Les enfants, par contre, je sais pas où vous êtes cachés, mais là, je commence à m'impatienter. Je suis nulle au cache-cache. Ça commence à m'énerver, ça. Ça commence vraiment à m'énerver, les enfants. On rigole, mais là, j'arrive pas à vous trouver. Vous êtes sûrs, par contre, ils sont pas partis ? Je suis quoi, tes demandes d'amis qui sont fermées ? J'en ai trouvé un. Oh ! Mais il était où, lui ? Il était caché où ? What ? Regarde ! Il était caché où ? Mais il était caché où ? Je sais pas. Derrière la broussaille, je crois. Mais... Quoi ? J'entends quelqu'un qui m'a dit « T'es nul ». Hé ! C'est pas gentil, si c'est ce que je pense. Mais dites pas que c'est Ilsi. Attends, Ilsi ? Tu peux refaire du bruit pour que je puisse déduire où tu es ? Non ! Bah, en disant non, tu m'as donné des indications. Ilsi ! J'arrive ! Est-ce que tu es dans la cour de récréation, Ilsi ? Ilsi ? Oui ! Dans la cour de récréation ? Mais elle est où dans la cour de récréation ? On est trop nuls. Attendez, les enfants, vous avez plus le droit de m'aider. Oh, mais attendez. Mais pourquoi vous m'avez pas dit stop ? Il y a quelqu'un ici ! Attendez, les enfants, vous avez pas le droit. Non, arrêtez, vous avez pas le droit de me dire, d'accord ? Vous avez plus le droit. Déjà, j'ai trouvé quelqu'un là derrière un arbre. Bah, t'as perdu, toi. Allez, tu vas avec les autres enfants. Allez, hop. Du coup,
Lexa, là, t'as plus le droit de me donner d'indications, d'accord? Ok? Plus d'indications, ok, loulou? Ok, loulou! T'es pas gentil! Comment ça? Elle est en train de dire que je suis pas gentille? Et si, j'étais gentille de pas t'avoir trouvé en première. Mais tu vas te calmer. Non, je parle à Alexa. Ah, d'accord. J'entends du bruit ici, bizarrement. Ah, c'est le caca. Non, Alexa, on n'insultait pas de caca les gens. Oh. Hein? Il y a du bruit. Qu'est-ce que tu fais derrière? Qu'est-ce que tu fais derrière? C'est quoi ça? C'est quoi? Vous dites stop hein, si vous voyez dans le chat. Mais que... Bah, je t'ai trouvé, toi! C'était toi! Bah, on va dire que t'as quand même gagné! Mais t'as quand même gagné! GG! Une émote! Ouais, une émote! Allez, on danse! Ouais, t'as gagné parce que t'es la dernière personne à avoir trouvé! Allez, vous me suivez, les enfants! On va tous aller dans la récréation! Hop, suivez-moi, les enfants! Allez! T'es pas gentil! Pas d'embrouille! On a dit par contre, je suis votre animatrice aujourd'hui. Oui, t'es en train de voler. Aujourd'hui, je suis votre animatrice, mais pas d'embrouille, d'accord? Aucune embrouille est tolérée ici. D'ailleurs, j'espère qu'il y a personne qui est malade, on est d'accord? On est d'accord qu'il y a aucune personne malade. Personne malade, hein. Personne a le coronavirus. Oh, c'est ça, mais parce que moi, j'ai vraiment peur, hein. J'ai la phobie des maladies. Donc, si quelqu'un est malade, je vais être pas bien et je vais, s'il faut peut-être arrêter. Personne n'a son masque et vous avez pas votre masque. Parce qu'on est sur Fortnite, loulou. Et sur Fortnite, bah, y a pas encore le coronavirus. Enfin, pas à ce que je sache. Enfin, oui. Bah oui. Et oui. Alors, les enfants. Lexa, tu reviens par là, non mais. Lexa, tu reviens par là. Madame. Oui. Madame. Oui, c'est qui? J'ai mal au ventre. Non. Par contre, non. C'est qui a mal au ventre, bizarrement, quand tu fais exprès. C'est moi. C'est toi? C'est qui? Mais attends, me tousse pas dessus. Allez, décale-toi. C'est qui est malade? Tu t'appelles comment? C'est toi? Reste un petit peu loin de moi. Oui, je m'appelle Centurion. Tu t'appelles comment? Centurion? C'est la première fois que j'entends ce prénom-là. Centurion? Attendez. Je vais m'énerver. En fait, j'ai la phobie des malades. Enfin, pas des malades, mais de la maladie. Arrête de dire qu'il est moche. Les enfants, est-ce que je peux vous laisser seul? Lexa, tu peux les surveiller? Vous faites un petit foot vite fait. Vous faites un foot, il y a un ballon ici. D'accord. Vas-y, Lexa. Je sais pas jouer au foot. C'est pas grave, tu vas apprendre à jouer au foot. Allez, les enfants, allez, go. Allez là-bas, allez jouer au foot. Allez, je vais garder le petit. Toi aussi, va jouer au foot, vite avant que je m'énerve. C'est qui est malade? C'est toi ou c'est toi? Qui est malade là? Qui est malade? Ok, d'accord. Bah toi, va jouer au foot. Alors suis-moi, toi. On va aller dans mon bureau. Est-ce que c'est quoi que t'as quoi en fait? T'as mal au ventre? T'as... J'ai mal au ventre, mal à la gorge, mal à la tête. Attends, déjà, tu vas aller faire un tour aux toilettes. Peut-être parce que c'est ça. C'est parce que t'es pas allé aux toilettes. Vas-y, va aux toilettes. Ah oh, mais moi, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour. Va aux toilettes. Non, c'est derrière les toilettes. Faut que tu passes par derrière. Passe par derrière, voilà. Ok, j'attends qu'il fasse ses besoins. Peut-être que c'est parce qu'il a mal au ventre, genre j'en sais rien. Peut-être qu'il faut qu'il se lâche, vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis lâche, c'est que, bref, on va pas donner plus de détails que ça, quoi. Je sais pas, bref, ça le regarde, ça ne regardait pas, d'accord? Est-ce qu'il faut aux toilettes? Peut-être qu'il faut qu'il se lâche et puis après ça sera bon. Parce que moi, c'est éprouvant déjà les enfants qui font des bêtises là-bas. T'as du personnel qui me suit. Oh non, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a quelqu'un qui est malade et en plus il m'appelle. Merci beaucoup Sandrine qui a envoyé 2€. Avec son petit emoji trop gentil, trop mignon. J'arrive, je suis avec le petit là qui est malade. Alors. J'ai toujours mal au ventre. Toujours j'ai mal? Plus mal qu'avant. Oh non, mais attends, mais écoute. Écoute, ne me tousse pas dessus, s'il te plaît, par contre. Est-ce que tu as fait tes besoins, déjà? C'est une information cruciale. C'est très bizarre dit comme ça, mais est-ce que tu as fait tes besoins? Oui. T'as fait? Et t'as encore mal? Oui. T'as mangé quoi, ce matin? Oui. T'as mangé quoi au petit déjeuner? Bouge pas trop, c'est peut-être pour ça. Vas-y. T'as mangé quoi? Oups. J'ai mangé du pain avec de l'œuf. De l'œuf cru? De l'eau. T'as mangé de l'œuf cru? Non, de l'œuf cru. De l'œuf cuit, pardon. Ok, d'accord. Cuit. Arrête, je me fais peur. T'as mangé de l'œuf cuit? C'est vite ça, peut-être que tu fais une intolérance, je sais pas, au l'œuf, j'en sais rien. Bref, suis-moi. Je sais pas, je vais appeler tes parents. Tes parents, ils travaillent ou pas? Tes parents, ils travaillent? Ben, je crois que mon papa, il travaille. Oh non, mais je vais pas te laisser ici, parce que peut-être que tu es malade, tu vas peut-être me faire tomber malade, ou bien les enfants ils vont peut-être tomber malades. Suis-moi,
Alors, qu'est-ce que je pourrais te faire au pire? Peut-être que tu manges un petit bout. T'as bien mangé ce matin ou pas? Est-ce que t'as bien mangé? Oui, mais... Oui, mais j'ai quoi? Un peu faim. Un petit peu faim. Est-ce que, par contre, tu serais pas en train de me mentir, hein. Par contre, je déteste le mensonge. J'espère vraiment que tu ne me mens pas. Parce que j'ai un enfant qui m'a fait ça juste pour rentrer à la maison. Tu mens pas, tu jures, promets. Oui, je promis. Je promis, d'accord, bon. Il va à l'infirmerie, mais je crois pas qu'il y ait une infirmerie. Est-ce qu'il y a une infirmerie ici? Est-ce qu'il y a une infirmière? Tu sais ou pas? Sais pas. Attends, suis-moi, peut-être qu'il y a une infirmerie. Viens. Non, il y en a pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Attends, viens, suis-moi, parce que je sais pas, il y a une personne qui crie. Je vais lui demander. Ah, Ilsi, t'es où? Ilsi? Au terrain de foot! Ah, t'es là, je te vois. Ilsi, viens avec moi. J'ai un problème, l'enfant il est malade, et moi je comprends pas ce que je dois faire en tant qu'animatrice, parce que ils m'ont laissée toute seule en tant que stagiaire, moi je fais comment? Donc on fait comment avec cet enfant qui est malade? Enfin, généralement, ils font quoi? Généralement, en fait, t'appelles leurs parents et normalement, ils viennent leur chercher. Après, ils leur mènent aux urgences. Ah, aux urgences, clairement, ok. Mais est-ce qu'il il a déjà été malade il a déjà été malade plusieurs fois? Oui. Plusieurs fois, vraiment à ce point? Ok, viens, suis-moi, loulou. Je crois que là, je vais appeler tes parents, c'est mieux. Il n'y a pas d'infirmerie. Allez, viens. Non, mais attends, je viens de voir quoi? Tu viens de la frapper ou quoi? Arrêtez! Non, par contre, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit pas d'embrouille. J'ai dit quoi, là? Lexa? Ilsi? Vous voulez que j'appelle vos parents? Lexa? De toute façon, j'ai pas de parents, ça sert à rien. Ah oui, mais tu veux que... Bon, j'arrête. Moi, j'en ai marre. Animatrice, c'est pas possible. Viens, la personne qui est malade, qu'elle me suive. Tu me suis? C'est pas possible d'être animatrice. Non, mais c'est pas possible. D'ailleurs, attendez, parce que je vois là, il y a quelqu'un qui n'a toujours pas mis le pouce bleu. Il y a des personnes qui n'ont toujours pas mis le pouce bleu. Mais attends, mais est-ce que t'as mis le pouce bleu, toi? C'est parce que pour ça que tu es malade. Enfin, ça m'étonne. Le pouce bleu! Tu arrêtes de crier, tu vas avoir mal à la gorge, toi aussi. Quoi? Je me suis abonnée, j'ai mis la cloche des notifications et un pouce bleu. Ah, oh, ok, bon bah c'est gentil, bah pour la peine je vais te soigner mon lapin, je vais te soigner, merci beaucoup Code Florian, ouais, mon pseudo épique c'est Pom Pom, mais je sais pas, j'ai essayé de te envoyer une demande d'amis, mais je te trouve pas ajouté aux amis, en fait tes demandes d'amis, enfin t'as mis en, enfin on peut pas t'envoyer de demande d'amis, oh viens, suis-moi, il y a une personne qui fait le ménage, on est en train de marcher sur son ménage, c'est pas bien aussi, viens vite, alors, je vais essayer d'y aller, hop, tu viens. Vite. Je vais appeler tes parents. Ton père, il s'appelle comment? Ta mère s'appelle comment? Tu veux que j'appelle qui? Ton père ou ta mère? Tu préfères que j'appelle qui, Loulou? Mon père. Comment? Mon papa. Tu préfères que j'appelle ton père? Oui. Ok. Ton papa. Il s'appelle comment, ton papa? T'es où? Viens devant moi. Il s'appelle comment, ton papa? Oui. Il s'appelle comment? Pourquoi tu dis oui? Attendez. Il s'appelle comment, ton père? Tu connais pas le prénom de ton père? Il s'appelle... Non, il me l'a jamais dit. Quoi? Mais comment ça, mais c'est vrai, j'avais oublié qu'on était en maternelle. Tu l'appelles papa, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Toi, tu t'appelles comment? Mais dis-moi pas que tu sais pas ton prénom, parce que là, ça va mal se passer. Tu t'appelles comment, toi? Eh oh, tu t'appelles comment? Je m'appelle Centurion. D'accord, attends, je vais essayer de trouver peut-être dans les archives. En attendant, va jouer là-bas, il y a des jouets. Si t'as envie de vomir, tu sors, hein, parce que je déteste le vomi, genre, ça me dégoûte, ça me déprime. Ok, alors, hop, j'arrive pas à me mettre, je vais me placer ici, je vais essayer de trouver le numéro de téléphone de son père. Déjà, il va falloir allumer cet ordinateur, et comment je vais faire pour allumer cet ordinateur? Je ne sais pas. Bon. Ok, normalement c'est ça. Ok, maintenant je vais juste apprendre le numéro de téléphone en trouvant les mots de téléphone. Où est-ce tes mots? Ok. Par contre, il va falloir qu'ils répondent. Bon. Ton papa, il répond pas, Loulou? Ton papa, bah je sais pas, je suis en train de l'appeler, mais... Ah, mais tousse, mets ton bras quand tu tousses, mets ton bras, s'il te plaît. Mets ton bras, s'il te plaît. Okay. Bon, ton papa ne répond pas, je sais pas quoi faire. Je peux rien y faire, je suis désolée. Je vais essayer de te réappeler. Attends, peut-être que je vais réessayer de réappeler.
Hop. Ouais, ça bip. Ah, allô? Ah oui, allô? Ah, vous êtes le père, excusez-moi, je suis l'animatrice de Centurion, vous êtes bien le père de Centurion? Oui. J'ai un gros souci au centre, il y a votre enfant qui est gravement malade, qui se sent pas bien du tout, et qui a mal au ventre, qui tousse, etc. Viens, Centurion, viens parler à ton père, viens. Centurion, viens vite, explique-lui la situation, viens, vite. Tu lui dis, explique-lui. Papa. J'ai mal au ventre, je touche, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule. Est-ce que vous... J'ai mal partout. Attends, tousse pas sur moi par contre, tousse pas sur moi s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez le récupérer ou pas du tout là? Parce que moi je peux pas le garder dans ces conditions là, il va peut-être infecter les autres et puis moi-même. Ouais, je peux aller le récupérer. Vous êtes d'accord, vous êtes pas en réunion ou quoi? Parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des parents qui sont en réunion, il y a rien qui vous bloque? Non. De toute façon, s'il y a un problème, vous m'appelez, d'accord? Et moi, je le garde, je vais le mettre de côté, je vais l'isoler, histoire qu'il soit un petit peu tranquille. Et puis, voilà, d'accord? Bah, allez, excusez-moi encore une fois de vous avoir dérangé, passez une agréable fin de journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Ok, alors Centurion, maintenant, il va falloir que je te mette dans une pièce seule pour pas que tu piètres... Parce que je pense pas que t'es le Covid non plus, mais quand même, quoi. Mais voilà, quoi. Le code de la map est en haut de l'écran. Oui, normalement, il est en haut de l'écran, mais là, je le vois pas. Je le vois pas trop. Mais merci beaucoup pour tes donations, Aude. Plein de GG dans le chat. Fais une petite émote pour la donation de Aude, sans dire rien, même si t'es malade. Ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, les lapins? J'espère qu'ils font pas de bêtises, d'ailleurs, en tant qu'animatrice. Là, s'ils font des bêtises, je suis cuite, hein. Je suis cuite et cuite. Allez, les enfants, tu me suis? Tu veux faire quoi, Centurion? Centurion, tu veux faire quoi? Tu veux pas, sinon, faire un petit peu de... Jouer un petit peu, en attendant que ton papa arrive? Tu restes seul? Tu veux? Tu veux bien? Ok. Ah ouais, je crois que là, t'es tellement KO que tu n'arrives plus à parler. Vas-y, tu te mets ici, tranquille ou bilou. Par contre, tu fais pas de bêtises. Je te fais confiance, tu restes tranquille. Et je viendrai te voir de temps en temps. Allez, on laisse... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous m'expliquez ce que vous faites là? Les enfants? Lexa? Lexa, non, pas vite. Lexa, tu reviens. Lexa, tu reviens. Tu m'expliques ce que t'étais en train de faire? Tu faisais quoi? Lexa, je te parle. Tu faisais quoi? En fait, donc, il faisait trop peur. Du coup, je voulais le regarder ce qu'il faisait et bien fait, il est malade. Quoi? Non, mais arrête d'espionner les gens, mais t'es trop bizarre. Mais vous êtes trop... T'as bien espionné Gizmo. Oui, j'espionne Gizmo, mais moi, il n'y a aucun rapport. C'était pour une vidéo. Là, je suis en train d'aider une personne qui est malade. T'es en train de m'espionner. C'est trop bizarre. Tu es trop bizarre. Allez, suivez-moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant comme jeu en attendant que le père de l'enfant malade arrive? Vous voulez faire quoi comme petit jeu? Vous voulez qu'on du fasse rugby. Quoi? Vous voulez faire quoi? Du rugby. Comment? On veut faire du rugby. Un chat? Le chat sur Fortnite, je crois que ça va être difficile de faire un petit chat sur Fortnite. Chat couleur. Ah, oh, chat couleur. Oh, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. On tape sur des couleurs avec notre pioche. Je sais c'est quoi le but des chats couleurs. Il me semble, en gros, c'est moi, je vais vous donner une couleur et puis vous allez devoir vous mettre sur cette couleur-là. Si vous n'êtes pas sur cette couleur-là, et bien vous avez perdu, c'est ça? Et la dernière personne qui n'est pas sur la couleur. Tu veux jouer à quoi? Chat perché. Chat perché. Non, pas chat perché. Vous allez... Non, mais arrêtez tout le temps de vous embrouiller, vous deux. Il faut que vous mettiez d'accord. Mettez-vous d'accord, vous voulez faire quoi? Écrivez un... Attendez. Vous écrivez un dans le chat si vous voulez que ce soit un chat perché. Ou vous écrivez deux dans le chat si vous voulez que ce soit un chat couleur. Et en gros, que je dise une couleur et qu'il se mette sur la couleur. Mais je me croirais vraiment là, en tant qu'animatrice, c'est incroyable. Vous voulez qu'on fasse quoi alors? Chat couleur ou chat perché? La personne qui veut qu'il se met... enfin, faire un chat couleur, qui se mette ici. Et les personnes qui veulent un chat perché, vous mettez ici. Chat couleur ici, chat perché ici. Choisissez vite, les enfants. Chat couleur ici, chat perché ici. Et lui, il sait pas ce qu'il veut. Donc, les... Je te déteste, Alex. Non, mais arrêtez, les enfants. C'est pas grave, dans tous les cas. On va faire les deux, si vous voulez. Si vous voulez, on va faire les deux. Il y a plus de... 1, 1, 1, 1. Merci beaucoup Christian qui vient de se sponsoriser à la chaîne YouTube en tant que Ado Choco, c'est trop gentil. Merci beaucoup et merci Aude Rapidier qui vient d'envoyer 2 euros en écrivant 1. Le 1 c'est chat couleur. Le quoi? Le 1 on avait dit c'était chat couleur. Ah yes. Et merci, le 2 c'est chat perché.
Donc il y a plus de 2 là en fait. Mais il y a quand même plus de 1. En fait, il y a des 2 et des 1. J'arrive pas à savoir. Eh ben, on fait chat perché et après chat couleur. Ok, d'accord, on va faire un chat perché, comme ça tout le monde... Les enfants, vous arrêtez, c'est moi qui décide ici, c'est pas vous, à ce que je sache. Donc on va d'abord faire un chat perché et puis ensuite un chat couleur. Donc je réexplique un petit peu les... Mais vous arrêtez de bouder à chaque fois, vous êtes vraiment des enfants. Bah oui, du coup, vous êtes vraiment des enfants là pour le coup, mais vous arrêtez de bouder sans cesse. On va d'abord commencer par le 1. Le 1, on avait dit c'était quoi ? Chat perché. Donc je vais vous dire... Ah mais non, mais c'est hyper difficile, chat perché en fait. Comment ? Parce que chat perché, c'est que vous devez tous... Enfin, je vais essayer de vous courser et vous allez devoir vous mettre sur un objet. Vous vous accrochez à des arbres. Oui, à des arbres, mais du coup, sans forcer, vous allez devoir vous accrocher. Si à des structures là-bas. Si je vous touche en vous piochant, vous êtes éliminé. C'est simple, d'accord ? Donc, je réexplique les règles. Ouais. On commence avec le chat perché. Je vais essayer de vous courser. Si vous êtes sur le sol et que je vous pioche, vous devez vous mettre immédiatement sur le côté dans le coin de la cour de récréation, d'accord ? Ok ? D'accord ? Ok, j'entends pas assez de bruit là. Pas assez de bruit. Toujours pas assez de bruit aussi dans le chat. Ok, d'accord. C'est bon, j'entends assez de bruit. D'ailleurs là, le chat, je veux voir les 3000 pouces bleus sur le stream. Comment ça, il y a 2300 likes, c'est beaucoup. Mais je veux voir 3000 pouces bleus. Allez, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, mais vite, allez, mais vite, hein, je vous course, les enfants. Non, mais là, c'est... Oh non, mais c'est énervant, parce que je sens que vous allez rester. Par contre, vous n'avez pas le droit de rester plus de 10 secondes en haut, hein. Faut pas non plus abuser. Y a un petit ici. Viens par là, mon lapin, viens. T'es éliminé. En plus, il y avait un objet juste à côté. T'es éliminé. Allez, faut que tu te mettes dans le coin. Dans le coin de la récréation. T'as perdu. Première personne éliminée. Alors, allez, t'es sûr? Ah bon, t'es sûr? Alex, tu joues avec le feu, hein. Je vais rester ici s'il faut. Je vais rester ici, histoire que je vais te faire perdre. Descends. Mais non. Si. Mais c'est de la triche ce que tu fais. Bah vas-y, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Oh, toi, t'as perdu. Je t'ai touché. Hé, arrête de vouloir tricher, tu te mets au coin, là-bas, là, au coin. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, toi aussi? Je t'ai touché. Si, toi aussi, au coin. Vous êtes des tricheurs si vous n'allez pas au coin. Je joue plus. J'arrête les animations si vous trichez comme ça. Au coin, hop, au coin. J'ai dit au coin, Alex! Tu sais pas m'attraper. Je sais pas attraper qui? Je sais pas attraper qui. Toi, Lexa. Non, personne. Oh, mais comment t'as fait pour monter jusqu'ici, toi? Tu m'expliques? Comment t'as fait pour monter jusqu'ici? Ah, je suis petit, c'est normal. Tu es quoi? Pardon? Je suis petit. Ouais, mais t'as réussi quand même à t'agripper là-haut, hein, c'est surprenant. Attends, je vais essayer. Non, mais t'as pas le droit, là, tu restes trop longtemps au-dessus. Mais je viens juste de venir. Mais ok, t'as 10 secondes pour rester là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je suis partie. Oui, je sais, bah, oui, je sais que t'es partie. Mais là, c'est bon, je te laisse plus temps de répit. Là, je vais te toucher s'il le faut. Tu vas tomber, allez. T'as pas le droit de rester là plus de 10 secondes. 10, 9, 8, 7, oh. Oh, je te course. Maintenant, j'ai juste à te courser. Non. Pourquoi vous courez aussi vite que moi? Ça se fait pas. Pff, ok, donc là, si j'ai bien compris, vous êtes plus que deux. Lexa, reviens par là. C'est quoi le jeu, là? On est en train de faire un chat. Je suis en train de les animer. Et le temps que leurs parents arrivent, on fait un petit chat, là. Petit chat perché. Non, mais ça se fait pas. Mais c'est trop de la triche. Ils courent aussi vite que moi. Comment je suis censée faire, en fait? Allez, Lexa. Mais what? Mais comment elle a fait pour courir aussi vite? Pas de triche par contre, Lexa. 5, 4, 3, 2, 1. T'as pas le droit de rester dans la même place plus de 5 secondes. Hé, pas le droit de voler, hein. Mais bon, je vais essayer de voir avec elle. Mais c'est tricheur. C'est énervant. Ok.
5. Tu cours doucement parce que 4. T'es grosse. C'est juste parce que j'ai des gros pompons. Lexa. Mais vous voulez pas vous départager là? M'arrêtez. Au coin. Vous devez être au coin, vous. Vous n'avez pas le droit de tricher. Eh oh. 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 Elle est sur le... Elle est sur le... 5, 4, 3, 2, 1... Touché. Fini ton pipo. Non, 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 t'as perdu, Lexa. Lexa, au coin. Lexa, au coin. Non, mais Lexa, je viens de te toucher. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, c'est moi qui ai gagné. Les lives... Attendez, attendez. Les lives, vous avez bien vu que je l'ai touché. Et d'accord, vous avez bien vu que mes pompons l'ont touché. Pas droit à la triche. Tu m'as pas touché. Mais toi, t'as gagné. Touché. Mais oui, mais c'est parce que toi, t'as gagné. Mais toi, Lexa, je t'ai bien touché. Yes. T'essaies de tricher, là. Je reconnais. Je peux jouer de la musique. Quoi? Attends. Parce que t'as gagné. Écoutez, vous parlez tous en même temps, les enfants. Arrêtez de crier comme ça dans mes petites oreilles, les enfants. Venez tous. Vous allez tous faire quelque chose pour la gagnante. Mettez-vous tous devant. Mettez-vous tous en ligne. À part toi, la gagnante. Mets-toi à côté de moi, la gagnante. Et sont les autres enfants? Peut-être pas que j'ai perdu les autres enfants. Ils sont... Alex! Alex, tu viens? Il a été pas Qu'est-ce touché, que il a pas été touché. Bah si, il a été touché, je l'ai touché. Attends. Allez, bon bah en tout cas, vous allez faire quelque chose. Lexa, tu reviens par là, Lexa. Allez. Je peux jeter de la musique pour Attends, fêter. Attends, attends. Pour fêter, je vais vous proposer quelque chose d'autre. Alors, vous allez vous mettre en ligne et vous allez lui faire une émote. Vous faites une émote à la gagnante. Allez. Une émote pour la gagnante. Toi aussi, tu dois faire une émote, du coup, vu que t'as gagné. Mais tu ça... dois... Fais une émote. Tu dois faire une petite émote, loulou. Voilà. Pour fêter la gagnante. T'es quand même plutôt forte, c'est vrai, je l'avoue. Je l'avoue que t'es plutôt forte. Je gagne toutes les activités. Oui, tu gagnes toutes les activités parce que, je sais pas. Je dis pas ça, parce que sinon après, il y en a qui vont être jaloux. Alors, j'arrive 2 secondes. Vous pouvez rester ici 2 secondes. Je dois aller voir l'enfant qui est malade. Je dois aller voir l'enfant qui est malade. Restez sage 2 secondes. Par contre, vous faites pas de bêtises. Là, sinon, je vais m'énerver. J'appelle vos parents. Vraiment. Ok? Vous restez ici. Alex, qu'est-ce que tu fais? Mais Alex! Mais moi, j'étais tout là-bas. J'attendais dans le coin. T'attendais quoi? Mais je t'avais dit de venir. Tu m'entendais pas? C'est. Oh, non, je peux m'amuser. Bah, c'est Ilse qui a gagné. C'était Ilse. Bah, attendez, j'arrive. Je vais aller voir l'enfant malade. Restez sage. J'arrive. Bon, je vais aller voir l'enfant malade parce que j'espère qu'il est plus malade. Vous imaginez, il a vomi sur le... Vous imaginez le fait qu'il a vomi sur le sol, un truc comme ça. Ah, ma phobie, arrêtez. Arrêtez. On va pas dire ça quand même. Okay. Non, mais j'ai dit quoi, là? J'ai dit vous arrêtez de me suivre. Il faut vraiment que je sois autoritaire, genre. Arrête! Va là-bas! Il faut être autoritaire, vous voyez ce que je veux dire? Faut être autoritaire. Écrivez tous Chocolat animatrice dans le chat. Chocolat quoi? Chocolat quoi? Chocolat animatrice autoritaire. Je prends une voix grave. Une voix très grave. Comme ça. Une voix très très grave. Chocolat. Enchantée. Je suis... Bon, vraiment, faut que j'arrête là, immédiatement. Il s'agirait absolument d'arrêter. Ça va pas. Bon, hop. Je repars. Je vais repartir. Les enfants, coucou. Coucou. Comment... Centurion, tu vas bien? Centurion? Centurion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Centurion? Centurion, qu'est-ce qu'il fait? Centurion, je ne t'entends pas. Ton micro a probablement un souci. Centurion, qu'est-ce que mais Centurion. Je peux aller aux toilettes. Comment ça, tu vas aux toilettes? Non, mais attends, mais Centurion, depuis tout à l'heure, je t'ai laissé. Ça fait 30 minutes. Explique-moi ce qui se passe. Explique-moi ce qui se passe, Centurion. J'ai envie de vomir. Oh non, 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 ça par contre, ça non. Ça... Sors. Sors vite. Vite, sors. Va aux toilettes. Non, les toilettes, c'est là-bas. Les toilettes, c'est là-bas. Il va vomir à côté du car. Oh non, ma phobie. Vas-y, vite. C'est là. Vite. C'est ici. Tu me suis. Mais vous aussi, vous êtes malade. Vous allez rapprocher. Ici, là. Vas-y, va aux toilettes et tu fais ce que tu as à faire. Ah non. Oh non, loulou. Ah non, j'ai pas envie de voir ça. Oh non. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Oh non.
Les enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous pouvez arrêter de le regarder? Vous pouvez arrêter de rester. Mais, ah, mais tout le monde est malade dans la vie. On a le droit d'être malade. Vous arrêtez de le juger. Allez, partez. 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 Pars. Toi aussi, pars. Toi aussi, pars. T'es... C'est bon, Centurion, tu vas mieux? Mais, Centurion, tu vas un peu mieux ou pas? Faut que tu me parles, d'accord? Je peux pas lire dans les pensées, tu vois. Centurion, est-ce que tu vas mieux? J'ai un peu mal à la gorge. Non mais on peut pas, je peux pas te garder ici. Moi je suis désolée, je peux pas te garder ici. Il faut absolument que tu partes en fait. Ton père il est toujours pas venu? Il est toujours pas venu ton père? Mais je sais pas, normalement il devrait être là. Bah je comprends pas pourquoi il est toujours pas arrivé en fait. Je comprends pas pourquoi il est toujours pas là ton père. Je vais le rappeler, c'est pas possible. Non, il est censé venir. Ça fait beaucoup là, non. Attendez, je vais appeler parce que ah ça me dégoûte. Est-ce que vous aussi dans le chat vous avez la phobie du vomi comme moi? Moi je supporte pas. Alors, il est où le téléphone? Ça bip. Allô? Oui, allô. Allô, vous êtes où là? Parce que votre fils il veut vomir, il vomit, il est malade, il sent pas bien. Moi je peux pas garder un enfant comme ça. S'il faut je le sors Je suis en route. Bah ouais, mais en route, mais vous êtes où en route? Dans 5 minutes. Je vous entends pas très très bien, je crois. Vous ne me dites pas que vous êtes en train de conduire avec votre téléphone. Ne me dites pas que vous êtes avec votre téléphone en train de conduire, par contre. Si. Non, mais posez-moi ce téléphone. Dépêchez-vous juste et à tout de suite. Okay. Vite, parce que ça va mal se passer sinon pour lui. Il va se faire dessus, ça me dégoûte. Allez, au revoir. Bon, il est passé où, cet enfant? Tu restes ici, d'accord? Tu vas rester ici avec Raz. Tu vas avec lui? Voilà. Tu restes avec lui. Je reste avec vous. Non, mais il est malade, il est malade. Il faut qu'il y ait un seul copain qui reste avec lui. J'arrive avec vous, je vais vous faire des petites animations, d'accord? Ah, mais il me fait peur. Il te fait peur? Bon, attends, j'arrive. Hop, on ferme la porte. J'arrive, les enfants. J'arrive. C'est éprouvant d'être animatrice. Mais c'est j'ai faim. Vous avez... T'as faim? Il est quelle heure, là? J'avoue que ça serait l'heure un petit peu de manger, non? Alex, oui. Alexa, vous faites pas de bêtises. Est-ce que vous avez faim, vous aussi, Alex, Alexa? Alexa, Alex, vous avez faim, vous aussi? Oui, j'ai faim. Vous avez très, très faim? C'est à quelle heure, normalement, que vous... Vous mangez à quelle heure, normalement, les enfants? À midi. Ouais, il est midi. Bon, ok, vous allez manger. Suivez-moi. Oui, allez, monsieur. On mange à McDo. Ah non, on va pas manger à McDo, vous allez manger ce qu'il y a à la cantine. Tu crois quand même pas qu'on va manger à McDo? Quand même pas. Vous allez pas manger, non. Alors, en ligne, en file indienne. En file indienne, oui, mais il n'y a aucun personnel, je comprends pas. Il n'y a pas de personnes qui sont en train de faire le ménage. Donc c'est moi qui vais vous passer à manger. Vous avez le droit à un seul plat de consistance, de résistance. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi, mon lapin? Que veux-tu? Du poisson. Avec du poulet. Non, tu peux pas avoir poisson et poulet. Faut que tu prennes un seul plat. Un du seul poulet, truc. Du poulet. Tu veux du poulet avec quoi? Le poulet avec quoi, Loulou? Je sais pas, il y a quoi avec. Il y a. Regarde, juste ici, c'est là en fait. Tu peux voir qu'il y a un pain burger. Tu peux voir qu'il y a une petite tarte. Une petite tartelette. Un burger, ok, bon, tu vas prendre juste un hamburger, c'est tout. Tu peux pas prendre un burger et un poisson et tout, ça fait beaucoup trop, là. Allez, tu prends et tu t'assois là-bas. Là-bas, on va t'asseoir. Allez, hop, qui d'autre? C'est à toi. Alors, dis-moi ce que tu veux. Bon, au pire, prends ce que tu veux. Alex, ce que tu veux, toi? Alex. Du poulet. Tu veux quoi? J'entends pas, il fait trop de bruit ce lapin là. Tu arrêtes tes bêtises. Oh, ces enfants. De la viande là, juste ici. La viande, celle-ci. Oh, des saucisses. Faut savoir ce que tu veux, vous êtes vraiment indécis. Soit tu prends des saucisses, soit tu prends de la viande. Tu peux pas avoir encore une fois les deux. Tu veux quoi? Non, je prends des saucisses. Ok, bah prends les saucisses. Et puis tu vas t'asseoir. Tu prends et tu t'assois. Oui. Allez. Il y a des desserts? Des desserts, on verra ça tout à l'heure. Si vous êtes sage, je vous passerai un bon goûter. Mais là, non. Là, pour le moment, non. À toi, Alexa. Moi, j'ai
T'es obligé de nous donner un bon. Oui, un bon, oui, si vous êtes sage, Edgy. Lexa, qu'est-ce que tu veux? Lexa? Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais, Lexa, je peux pas comprendre si tu me parles pas. Si tu me fais des gestes comme ça. Pour, qu'est-ce qui se passe, Lexa? Tu te sens pas bien, toi aussi? J'avais un petit peu mal, mais bon. Dis-moi. Est-ce qu'on peut avoir des pizzas? Les pizzas? Oui. Y a pas de pizza. Tu vois, ici, y a quoi? Y a saucisse, y a viande, y a poisson, mais y a pas... Est-ce que ça a l'ail? Non. 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 Bah alors, je mange pas mon frère aussi. Tu veux pas manger de poisson? Tu veux pas manger? Bah oui, du coup, bah j'imagine... Bah sinon, tu peux prendre un... Ah bah ouais, bah non, en fait. Sinon, tu peux prendre, je sais pas, y a pas des pâtes normalement. Attends, je regarde ce qu'ils ont préparé. C'est pas moi qui ai préparé. Ici, y a des légumes. Prends les légumes. Merci beaucoup, Fire19, pour ta donation, tes 2,29€. Tu m'as... Oui, normalement. Allez, vous allez manger? Allez, mangez. Mangez, 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 mes enfants. Mangez. On s'assied ensemble. Ah bah voilà, soyez copains, soyez copines, mangez. Sans faire de dégâts. Ah, mangez pas partout, par contre. Non, mettez pas partout. On met pas les pieds sur la table, toi. Il si, on met pas les pieds sur la table. Qu'est-ce que... Désolée. C'est pas grave. Mais mets pas tes pieds sur la table. Ah, en plus, lui, il a mis ses orteils. Vous me dégoûtez. Vous savez quoi? Je vais vous laisser. Je vais aller voir l'enfant malade. Il me dégoûte. Je peux pas. Je sais plus jamais j'essaie de faire des métiers comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Mais pousse-toi. Mais allez manger, les enfants. Allez à table. Il a mis son pied dans mon plat. Bah, tu vas te reprendre à manger. Tu te resserres, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, purée? Oh, c'est pas possible, ça. Je m'en vais, je vais aller voir l'enfant malade, j'espère qu'il n'en a pas mis partout, il a pas mis partout. Centurion, tu vas mieux? Centurion, je suis là. Retourne-toi, je sais que tu vas pas bien, mais... Centurion! Centurion! Je suis là! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Mais je suis triste parce que... Parce que quoi? J'ai entendu les enfants tout à l'heure quand vous étiez en train de partir. Eh ben, y'a quoi? Ils disaient qu'ils n'aimaient pas... Non, 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 c'est juste, ils ont aussi, ils ont un petit peu la phobie du vomi, je pense, c'est pour ça, mais non, ils t'aiment bien, t'inquiète pas. En tout cas, t'inquiète pas, d'accord? Ton papa, je crois qu'il va prendre du temps à venir. Bah, en fait, il a dit qu'il allait venir, mais il est toujours pas venu, donc je sais pas s'il va vraiment arriver. Sinon, c'est pas grave. Okay. Sinon, tu peux rester là encore. Tu peux réussir à te... Ah, mais pas sur moi, s'il te plaît. Juste, pas sur moi. Tu peux encore réussir à te contenir, ça va? Pas trop difficile? Ok. Allez, reste ici. Est-ce que t'as faim? T'as faim un petit peu ou pas? Oui, un petit peu. Bah, vas-y, suis-moi, si tu veux. Mais lui, c'est qui, lui? L'enfant... Je t'ai dit quoi, toi? Je t'ai dit, va manger. Viens, suis-moi. Tu vas aller, je vais te servir à manger un petit peu, je vais te servir un petit peu à manger. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Parce qu'il ne faut pas que tu manges des choses avec du lait, des choses trop consistantes. Je suis là, viens, ramène ton chocolat. Merci beaucoup, Fire19, pour tes 2,29€. Merci beaucoup pour ta donation. Et je veux voir un maximum de pouces bleus sur le live quand même. Bientôt les 3000 pouces bleus, non mais... Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, Centurion. Je pourrais avoir du saucisson? Oui, tu peux avoir du saucisson. Normalement, il est juste ici. Voilà, tu peux le prendre. Il est là. Vas-y, prends. Et va t'installer. Tu prends. Vas-y, et va t'installer maintenant. Allez, hop, hop, hop. Oh, ils sont en train de faire tout le ménage. Ils sont en train de ranger ce qu'ils ont fait. C'est bien. Mange et puis après, tu me dis quand tu es bon, d'accord? Ah, les enfants, vous êtes en train de faire le ménage maintenant? C'est bien. Vous le faites souvent le ménage comme ça? Lorsque... C'est juste aujourd'hui. Normalement, oui, c'est vrai que c'est pas à vous de faire le ménage. C'est qui a fait ça? C'est qui a fait ce graffiti? C'est moi et Alex. Mais faut... enlevez-moi ça. Mais faut pas faire des graffitis sur le sol. Pas faire de graffitis sur le sol. Allez les enfants, maintenant je pense qu'on va passer à la sieste. Vu que c'est l'heure de la sieste, non? Vous faites la sieste. Ah, mais pas de graffitis sur le sol, c'est sale. Faut pas faire ça. Aïe, mais c'est pas moi. J'ai pas fait exprès. Arrêtez de faire des graffitis. Lui là, celui qui a les pieds sur le sol là. Je sais pas c'est qui, mais on va t'exclure si tu continues. Et tu vas sortir de cette école. C'est dégueu. Vous me suivez? Vous faites où généralement la sieste, les enfants? On les fait dans la cour.
Dans non, la cour. On n'est pas à l'école, on fait pas la sieste. Bah c'est le centre de loisirs quoi, on est au centre de loisirs, donc on est dans votre école. Bah non, c'est pas la même chose. Bon, d'accord, vous allez pas m'apprendre mon métier, je suis stagiaire, donc c'est pas grave, d'accord. C'est pas grave si je comprends pas encore c'est tous les termes. Stagiaire, oui, bah, ça veut dire... Sûr... Oui, mais je suis là pour vous aider en fait, sinon vous serez tous à la maison. Et vos parents, ils travaillent. Bref, tout ça pour dire, vous faites la sieste où? Où ça? Sur les bancs. Sur les bancs. Quoi, mais vous faites la sieste vraiment sur les bancs là-bas? Vraiment? Oui, on ramène des couvertures et des coussins. Quoi? Mais c'est quoi ce centre? Ok, bah allez faire une sieste. On ramène des télés. Mais vous allez faire la sieste là-bas, je pense, c'est mieux. Mais c'est quoi ça? D'où? Allez, mettez-vous là. Allez, hop. Mettez-vous ici. Mais j'ai pas envie de faire la sieste. Vous avez pas le choix, dans tous les cas. Vous allez faire la sieste, j'ai dit. C'est moi qui décide. Alors, je sais ouvrir les yeux. Je sais pas dormir. Si tu veux, mais juste tu fais pas de bruit et tu laisses les personnes dormir. Allez. Tu peux chanter? Non, tu chantes pas. Peut-être une berceuse, mais d'abord un par banc. Un par banc. Vous êtes trois ici. Toi, ok, tu restes ici. Lexa, d'accord, ah, comme je ça. Je suis pas avec le dégueulasse. Un par banc en tout cas, d'accord, comme ça j'ai une vision sur l'ensemble. Attendez, j'arrive les enfants, j'arrive. Merci beaucoup, juste merci beaucoup à Fire19 pour ta donation et pour tes 5,49€, c'est trop gentil encore. Tu peux m'activer sur Fortnite s'il te plaît, tu peux m'ajouter. Oui, je peux t'envoyer une demande d'amis. Attends, je vais t'envoyer une demande d'amis. Parce que je peux pas t'accepter puisque j'ai reçu encore aucune demande d'amis, tu comprends? Attends, hop, Snowrooks, ok c'est fait. Est-ce que aussi dans le chat il y a des personnes qui veulent venir faire la sieste avec eux? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire la... C'est très bizarre dit comme ça, mais est-ce qu'il y a des personnes qui veulent aussi venir? Parce que peut-être qu'on va prendre des personnes dans le chat qui vont aussi venir faire du RP avec nous. Je sais pas trop si vous voulez. Les enfants, non je t'ai dit quoi toi par contre? Je t'ai dit quoi? Non, assis-toi, va t'allonger, vous allez faire la sieste. Lexa et Alex. Lexa et Alex, allez faire la sieste. Un banc chacun. Si vous n'allez pas dormir, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et c'est tout. Tu fermes. Non mais il y a rien à dire. Tu dis oui d'accord maman et tu fermes les yeux. Ok maman. Toi aussi. Hop. Bon. C'était qui voulait chanter une petite berceuse? C'est moi, je vais chanter une petite berceuse. Ah! Je vais chanter une petite berceuse. Je vais chanter. Écoutez-moi, je vais chanter une petite berceuse. Retournez-vous et fermez les yeux. Retournez-vous tous. Allez, retournez. Retourne-toi. Ok, c'est bon, tout le monde est retourné. Donnez-moi des paroles aussi dans le chat, puisque là, il va falloir trouver des paroles. C'est l'heure de dormir. J'ai mis le cochoco. Attendez, non, c'est immonde. Je pense que vous allez pas dormir si je fais ça. Attendez. je rêve, Lexa, t'es sur ton téléphone? Lexa? Crochet, va me chercher vite. Non, Lexa, tu poses ce téléphone. Non. Tu poses ce téléphone. C'est l'heure de faire la sieste. Tu pourras envoyer un message après à Crochet, mais pas maintenant. En plus, c'est mon téléphone. 4. Ok. Alors, je vais vous faire encore une petite. Mais je sais pas quoi vous faire comme berceuse. Ok. Frère Jacques, dormez-vous. J'espère que t'as mis le cochoco. Sinon ça va mal se passer. Frère Jacques, mettez le cochoco. Sinon ça va mal se passer. Allez, faites dodo. Maman, mais tu chantes trop mal. Non mais, chut. Et chut. Tu fais mal à la tête. Chut. Tu dors. Tu chuchotes. C'est la sieste là. C'est l'heure de la sieste. Allez, faites dodo. Pas de bruit. C'est bon. Vous faites dodo là. C'est bon. Ok. Je vais vous laisser dormir. Je vais aller voir le malade. Je reviens. On dirait que je fais de l'ASMR, je rêve. Bon, de toute façon, ils m'entendent pas, je suis trop loin pour eux. Bon, je vais juste me retourner pour voir si... Ok, ils sont tous en train de dormir, normalement. Normalement, ils sont tous en train de faire un bon gros dodo. J'ai bien dit normalement. Allez, moi, je vais aller voir... En attendant, je vais aller voir les autres enfants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les autres enfants? Enfin, l'enfant qui est malade.
J'allais te voir s'il va mieux. Il est... Bah, il est passé où? Bah, qu'est-ce qu'il fait, Centurion? Bah, qu'est-ce que tu fais, Centurion? Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes le balai, toi, maintenant? Mais t'étais pas malade il y a deux instants? Tu serais pas trop me mentir pour tout ça pour rentrer chez toi? Non, 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 tu serais pas... Ouais. Tu serais pas en train de mentir? Ouais, bizarrement, là, tu tousses, alors que depuis tout à l'heure, je t'entends en aucun cas tousser. T'es vraiment bizarre. T'es sûr? Non, mais madame... Oui, non, j'ai l'impression que t'es en train de mentir. Je suis en train de passer le balai. Non, j'ai vraiment l'impression que tu mens. Ici. Il y avait des graffitis. Il nettoie ça parce qu'il a vomi. Il nettoie ça parce qu'il a vomi? Oui. Ah, pardon, je croyais que c'était faux, du coup, ce que tu me disais. Parce que depuis tout à l'heure, je n'entends pas tousser et tout. Bah, c'est pour ça. Ok, bon, bah, je comprends mieux. Bah, désolé, bah, ça me dégoûte un petit peu. Bah, je vais vous laisser alors. Bah, je vais immédiatement vous laisser. Je vais aller voir si les enfants sont toujours bien en train de faire un bon dodo. J'espère qu'ils sont tous encore en train de faire un gros dodo. Sinon, je vais m'énerver. Franchement, j'ai plus. J'en ai marre d'être animatrice là. Les abos dans le chat, après une sieste, qu'est-ce que vous faites normalement? Qu'est-ce que les personnes font après une sieste? Généralement, en temps normal. Après une bonne sieste, qu'est-ce que les enfants font? Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire. Encore un cache-cache, c'est bon. C'est quand que la journée elle, se termine que leurs parents viennent les récupérer? Parce que là, au limite, je préférais être policière plutôt qu'être animatrice, hein. Vraiment. C'est que. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu mets... Non, mais attendez, mais... En plus, regardez-moi ça. Je lui dis, va te coucher. Et elle est là, elle me suit. Pierre joue, hein. Il goûte, il mange, il se lève, il joue. Il goûte, il joue à la play. Ah bon il... vous êtes pas en train de me mentir, là, le chat? Qui joue à la play au centre de loisirs? Parce que là, il va falloir m'expliquer. Moi, je me souvenais de jouer Uno, des jeux de cartes, jeux de société. Mais je me souvenais pas de play, hein. Ça n'existait pas. Au pire, ils peuvent faire un mini The Voice. Ah bah oui, des activités, d'accord. Les enfants, je vais lui crier dessus à la petite là-bas. Là. Elle fait, je lui dis, je lui reste en train de dormir et je la vois, elle fait des bêtises. D'ailleurs, avant, parce que je vois que vous êtes chaud le choco, oubliez pas le pouce bleu, oubliez pas le pouce bleu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, va faire la sieste. Il m'énerve, celui-ci, cet enfant, il m'énerve. Bon, les enfants, je vois que ça vous réussit pas la sieste, je vais pas vous forcer, hein, en vrai, ça sert à rien de vous forcer. Les enfants, venez devant moi. Lexa, oui. Venez, Alex, venez devant moi, ça sert à rien, je vois que ça vous réussit pas les siestes. Vous voulez qu'on fasse un mini The Voice? Je sais que les enfants, généralement, vous aimez bien faire ça. Un mini The Voice, ça vous tente ou pas? Un petit... Oh non, je peux chanter. Oh non. Moi, je pense que ce serait bien quand même que je fasse un petit mini The Voice. Est-ce que tu peux arrêter de chanter? Ilsi, c'est bon. On va faire un mini The Voice où tu pourras chanter à l'intérieur. D'accord? Ok? Ok? Oui. D'accord, Raz aussi? Vous êtes tous ok? Alors, oui. Vous allez... Je vous explique un petit peu les règles. Arrête ta musique immédiatement, Alexa. Ça fait trop de boucan. Ça fait un boucan. Je vous explique les règles. Je vais vous laisser du temps. D'accord? Je vais vous laisser un petit peu de temps, enfin même un bon bout de temps, pour que vous allez faire votre chanson. Vous avez le droit de vous mettre en groupe de deux, minimum. Enfin, vous le devez même. C'est même pas vous avez le droit, c'est que vous le devez. Vous mettez en groupe de deux. Bon, bah j'imagine Lexa, ouais, avec son petit copain. Et puis, vous deux ensemble, même si je sais que tu l'aimes pas trop. Je sais que... Mais si, vous devez quand même le faire ensemble. C'est pas grave, au contraire, ça va vous allier. Ça va vous allier, c'est bien, au contraire. Vous allez pouvoir peut-être... Vous allez peut-être vous aimer, on sait pas, hein. Allez. Mais c'est pas chanté. Dis pas ça, t'as même pas entendu sa voix. En tout cas, il faut que vous fassiez des paroles très importantes, très intéressantes. Et le gagnant gagnera... Des V-Bucks, une PS5. Non, une PS5, c'est trop, là. Tu te demandes trop. Gagnera un bon goûter accompagné d'un petit cadeau. Un bon goûter avec peut-être des V-Bucks. De toute façon, on aura déjà un bon goûter. Non, c'est moi qui décide de ce que vous goûtez, donc non. Un bon goûter et peut-être aussi des V-Bucks. Si vous êtes sage, on verra. D'accord, allez, chacun dans un coin. Une personne là-bas derrière un tronc d'arbre et l'autre personne devant le tronc d'arbre. Les deux groupes, allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vous avez que 5 minutes, hein, moins de 5 minutes. Il sait, vas-y, dépêche-toi, va avec lui. Allez, hop. Où est passé Ilsi? Mais... Bah, Ilsi, t'es où? Je suis là. Je te vois pas. Ah, ok. Bah, allez faire votre musique. Allez, hop. The Voice. J'arrive.
Je fais vraiment des animations, t'as peur, hein. Des animations de chez Wish. Par contre, j'espère que vous me trollez pas et que c'est vraiment ça que vous faites au centre, hein. Parce que là, si vous êtes en train de me dire fais un The Voice alors qu'il y a personne qui fait ça au centre, une animatrice, vraiment, t'as peur. Alors, maintenant, je vais juste attendre qu'ils fassent leur pied de musique, qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'ils vont faire, qu'ils fassent leur danse, leur chorégraphie et tout. Les enfants, je vous laisse du temps, hein, c'est pour faire, d'accord? Oui, c'est bon, mais bon, je suis pas sûre que ce soit bon. Allez, je vous laisse. Non, mais mettez-vous pas devant moi, allez faire votre musique, purée de pommes de terre douce. Mon Dieu, je vais aller voir ce qu'ils font, eux. Je vais aller écouter ce qu'ils font comme musique. Les enfants, qu'est-ce que vous faites, vous, comme musique? Qu'est-ce que vous faites? Je chante toute seule. Tu chantes toute seule? Allez. Oui, bah je peux chanter. Vas-y, chante. Dis-moi déjà ce que tu veux faire comme musique. Vous voulez déjà faire sur quelle musique? Une musique que j'ai inventée. Vas-y, fais une musique que t'as inventée. C'est un petit rap. Moi, c'est Lexa. Et il y a gros yeux. Tu me parles comme Choco. Et ben, moi, je me transforme. Il arrive avec sa Porsche. Et il y a Alex. Il va se transformer. Ah ouais! C'est trop bien! Ouais, allez, continue à travailler votre partition. Une note sur 20 dans le chat, dans les commentaires pour cette... je vais voir ce qu'ils font, eux. C'est mieux, je pense. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, les enfants? Oui, on a fini! Déjà? Me piège pas, Top, par contre. Alors, vous me faites juste... Montrez-moi d'abord ce que ça donne, pour pas que... Au cas où... 3, 2, 1... C'est parti! Mettez tout ce code avec sinon la pomme va toucher le zéca. Il y a quelque chose. On tient quelque chose. Dans le chat, une note sur 20. J'ai pas trop envie de danser là pour le coup. Ok, bon. Je vais vous attendre là-bas. Tu peux arrêter de me suivre s'il te plaît? Je vais aller là-bas. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. Dans le chat, je sais pas trop quoi penser. En vrai, je pense que je vais me poser ici. Les enfants, ils vont se mettre devant moi et je pense que. Qu'on va juger directement. Le gagnant, je répète, gagnera un très bon goûter, peut-être aussi des V-Bucks. Oups. Peut-être des V-Bucks. J'ai bien dit peut-être, si leur musique est très 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 bien. Si leur musique est bof, il n'y aura pas de V-Bucks, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, allez, les enfants. Ils m'entendent pas, je crois. Les enfants. Les enfants, vous venez. Allez, hop, vite. On arrive. Allez, plus vite, ça va être l'heure de passer pour les The Voice. Pas de bêtises, non, pas de ça dans la map, quand même. Alors, on va faire la plouf, il manque pas quelqu'un par hasard? Il manque quelqu'un? Je crois qu'elle s'est endormie, Lexa. Lexa, elle a quoi? Je crois qu'elle s'est endormie. Lexa, tu viens? Bon, attends, venez. Lexa, venez. Venez les enfants! Venez! Lexa, elle a le trac ou quoi? Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous allez venir. C'est qui est avec qui? Donc, toi, t'es dans un groupe et toi, tu es dans un autre groupe, si j'ai bien compris. Mets-toi bien ici, arrête de bouger. Arrêtez de me piocher, arrêtez de faire des bêtises. Ok, donc, Lexa, faut juste qu'elle se ramène. Elle ramène son choco. Je vais faire la plouf, d'accord? Je vais faire la plouf pour qui va passer en premier. Donc, là, c'est un groupe et là, c'est un deuxième groupe. Plouf, une. Pousse-toi, toi, tu te mets au plein milieu. Plouf, une boule en or, c'est toi qui va passer au bout de 3 en premier. 1, 2, 3. Bon, bah, je suis désolée, mais ça va être Lexa et Alex qui vont passer en premier. Si, je suis... Les enfants, je suis désolée, mais c'est comme ça. Là, je peux rien y faire, franchement. Donc, ce qui va se passer... Allez, donc, je vais me mettre ici. Les enfants, les autres, vous vous mettez avec moi, à côté dans le groupe. Allez, hop. Et maintenant, on va faire passer Lexa et Alex. Par contre, pas de bruit. Vous n'avez pas le droit de parler durant qu'il passe. Pendant qu'il passe, c'est vraiment interdit de parler. De toute façon, vous n'avez pas le droit. Et puis, c'est tout. Allez, vous êtes prêts? 3. Mettez-vous devant nous. Lexa, c'est toi de passer. Lexa. Qu'est-ce qu'elle fait, Lexa? Lexa. Chante toute seule, moi. Tu veux pas chanter?
Mais non, vous devez chanter en groupe. Non, je vous ai laissé du temps exprès pour que vous chantiez tous ensemble. Non, mais allez. Non, mais moi, je me suis pas entraînée avec lui. C'est pas grave. D'accord, au pire, il fait la chorégraphie. Vous vous débrouillez. Ok, mais toi, tu fais la chorégraphie, moi, je chante. Vous êtes prêts? 3, 2... Attends. Non, il n'y a pas de... Attends, 3, 2, 1, c'est parti. Moi, c'est Alexa. Et il y a gros yeux. Tu mets le catch au corps, sinon je me transforme. Et là, il y a gros yeux qui vient t'écraser. Attention, on va t'attraper. T'attraper. On peut peut-être te tuer. Non, ça et là, Alex, il va t'attraper. Il va se transformer. Et oui. Eh, hey, en vrai, j'ai bien aimé, sauf le tuer. Je sais pas pourquoi vous parlez de tuer. Ça. Donc, en tant que jury de The Voice, attendez, je me retourne. Parce que j'ai plutôt bien apprécié. C'était vraiment assez sympatoche. Juste la fin. Si tu mets pas le code choco, on va tuer, en fait. Non, ça c'est faux, d'accord. On tue personne. S'il y a une personne qui va pas mettre le code choco, c'est pas grave. Mais faut pas dire tuer. C'est très très grave, ça, par contre. D'accord, Alexa? Ok. En tout cas, je me suis retournée. Maintenant, c'est à vous votre tour, les enfants. Les autres enfants, c'est à votre tour. Une note dans le chat, dans les commentaires, une note sur 20 pour cette participation. J'ai plutôt apprécié. Alors. Ilsi, et c'est à qui d'autre aussi? C'est qui? C'est Raz. Raz, Ilsi, vous êtes prêts ou pas? Mettez-vous. Je me retourne. Et si je me retourne pas, c'est dire que c'était nul, d'accord? Okay. Si je me retourne, on fait comme si on était dans The Voice. Donc si je me retourne, c'est que c'était très bien. Vous êtes prêts? 3, oui. 2, 1, c'est parti. Oups, j'ai oublié de me retourner. Ah, je suis désolée, je me suis retournée un petit peu trop tardivement. Oh mince alors, zut, dommage. Bon, je pense que les gagnants sont faits, je pense que j'ai en tête les gagnants, mettez-vous en ligne, je vais vous annoncer les résultats. Alex et Alexa, je dis. C'est horrible. Bon, c'est Alexa, non, venez, vous inquiétez pas, je vais être toute, vraiment, je vais être objective. Je vais vous dire pourquoi qui a gagné et pourquoi qui a gagné. Alors, mets-toi aussi là. Pour moi, pour ma part, le gagnant, enfin les gagnants surtout, sont... Pour vous, c'est qui? Dans le chat, vous écrivez 1 si c'est pour vous, eux deux, ou vous écrivez 2 si c'est pour vous, eux deux. Mais pour moi... C'est moi, on est trop gentils. Je pense que je suis désolée. Mais pour moi, Lexa et Alex ont complètement gagné. Félicitations! Félicitations, ouais, une émote. Ouais. Lui, il est gentil. T'as un bon joueur. Il y a quelqu'un qui... C'est une mauvaise joueuse. Ilsi, c'est une mauvaise joueuse. Elle rage. Bon, moi, c'était sûr que c'était de vous qui allez gagner. Vous avez fait un beau truc. Tu te rapproches de moi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ils sont pas chantés. Ilsi, viens avec moi, je vais te parler vite fait. Viens avec moi. Ilsi, tu sais que c'est pas grave. C'est juste un jeu, tu vois. La dernière fois, c'était toi qui avais gagné. Ils ont pas mal pris quand t'as gagné le chocoadi, le cache-cache. Personne a boudé. Il faut pas que tu boudes, d'accord? D'accord. Tu vois, si tu veux, même on fera un autre jeu. Mais il faut pas bouder. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Parce que là, vos parents vont commencer à petit venir vous récupérer. Chaque couleur, on a pas fait. Vous voulez qu'on fasse quoi? Chaque couleur. Déjà, faut nous donner le goûter, hein. Le goûter, ah, c'est vrai que vous avez gagné, j'avais oublié, vous voulez vraiment votre goûter, hein, les enfants. Ok, vous allez avoir votre goûter. Ah oui. Lexa et Lexa, tu me suis avec le gagnant. Les autres, vous restez là, par contre, là, je rigole pas, vous restez vraiment ici. C'est que les gagnants qui peuvent avoir leur goûter, leur bon et doux goûter. Vous êtes là? Les enfants, vous me suivez, vous allez prendre votre petit goûter. Vous allez avoir votre bon et délicieux goûter. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous donner comme goûter? Ici, il me semble qu'il y a des bons trucs. Moi, je veux un mille. Ils sont là. Ok, ouais, ils sont là. Je vais vous mettre ça sur la table. Je vais prendre ça, ça et ça. Et je vais vous les mettre. Ici. Tiens, Alexa. Vous pouvez manger. Alex, t'as pas le droit, toi. Est-ce qu'il y a du glouglou? Mais s'il a gagné, on était Ah, mais oui! Bah, c'est toi, t'as pas le droit. Pourquoi t'es là, toi? Bouge!
Bouge, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Franchement, moi je deviens plus jamais animatrice de ma vie. Hein. Là c'est prévenu que je vous le dise dès maintenant. C'est finito, finito, finito. Moi animatrice, c'est terminé. Genre là vous avez bien entendu, vous m'avez bien compris. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais c'est fini. C'est trop éprouvant. Le gars d'ailleurs qui est malade, il devient quoi? Le gars qui est malade, il devient quoi? Mais pourquoi vous faites que de me suivre, vous? Être animatrice aussi, c'est ça? C'est toujours qu'on me suive? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me suivez? Quoi? Notre goûter! Bah, vu que vous avez perdu, vous n'avez pas le droit à votre goûter. Arrêtez de piocher. Mais quoi? Mais c'est chiant! Oui, on mais... Mais normalement, on n'a pas le droit de faire ça au fond. Je vais te... Il n'y a pas de directeur, de toute façon, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. C'est parce qu'ils vous ont laissé seul. Je vous passe un goûter si vous êtes sage, si vous restez sage. Allez jouer au foot là-bas, là. Vous restez sage. Restez sage. Non, mais tout. Rats, je viens de dire quoi? Vous restez sage là-bas, pas là-bas. Là-bas, au foot, au terrain. On peut faire un touche-touche. Un touche-touche, c'est quoi ça? Touche-touche. Il faut que tu tapes avec ta pioche pour. Hein? Ça veut dire que c'est lui qui touche. Quoi? Tu veux qu'on fasse... Non mais reviens, loulou. J'ai pas compris, c'est quoi? Animatrice, regarde. On doit toucher des gens et après c'est à eux de toucher. Ah, ok, j'ai compris. Oui, attends, je parle avec ton copain, là. Ah. J'ai mis du feu. C'est une émo, tu me fais trop peur pour rien. Bon, du coup... est-ce qu'on ferait pas un touche-touche? Moi, je préférais qu'on fasse encore un choco-adji. C'était vraiment cool, le choco-adji. Choco-adji, c'était bien. Arrêtez de crier. Lexa, vous avez bien mangé? Lexa, Alex, vous avez bien mangé? Je suis partie dans la crèche pour aller chercher un cahier et j'ai mal à la gorge. Oh non, mais dis pas que toi aussi t'as mal à la gorge. Ah non. Je voulais vite aller chercher. Et après, il m'a pioché, du coup, et ben après, j'ai mal à la gorge. Mais non, je crois que c'est juste psychologique, d'accord? Je crois que c'est juste psychologique. Personne n'est malade, je pense. Pourquoi alors j'ai mal à la tête? T'as mal à la tête? Arrête, il faut... Vous arrêtez. Arrête-moi. Mettez-vous en ligne. Franchement, à la fin de cette journée, je vais vraiment prendre un repos, parce que là, être animatrice, ça me va plus. Cette personne, est-ce qu'elle peut bouger? Merci. D'accord. Arrête de piocher, il si. Mais il faut arrêter là, c'est pas possible. Ces enfants qui n'écoutent jamais. Donc je vous réexplique les règles du Choco Adji. Ça va être, je pense, le dernier mini-jeu parce que là, vous m'avez épuisé. Je vais appeler vos parents et vous allez rentrer chez vous. C'est bon, stop. Lexa, du coup, bah, quand on va rentrer à la maison, par contre, tu n'auras pas le droit aux écrans. Hein. T'as fait trop de bêtises aujourd'hui pour que je te laisse. Du coup, les règles sont très simples. Je vais vous dire Choco Adji. Par exemple, si je dis Choco Adji, faites vos lacets, il va falloir que vous fassiez vos lacets. Choco Adji, levez-vous. Vous devez vous lever. Choco a dit, asseyez-vous, vous devez vous asseoir. La dernière personne qui s'assoit bah, aura perdu. Et si je dis, faites par exemple, faites une émote sans avoir utilisé le préfixe Choco a dit, eh bah, vous avez perdu, d'accord? Donc faites attention parce que je vais vous faire des petits pièges. On va commencer avec la game d'échauffe. Choco a dit, levez-vous. Non, bah toi t'as perdu déjà. Tu vois, toi déjà t'as perdu parce que tu m'as suivi. Donc on recommence. Choco a dit, accroupissez-vous. Levez-vous. Vous voyez, Alex et toi, vous avez déjà perdu. Mais bon, heureusement que c'est le game des chauves, j'ai pas dit Choco a dit. Faut bien écouter si je dis Choco a dit ou pas. D'accord? Ok? D'accord, Alex? Vous avez compris les règles ou vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez-les-moi maintenant. Vous avez des questions aussi le chat? C'est dur. Non, en vrai, je pense que c'est difficile, mais après... En fait, il faut juste vraiment écouter et faire attention. C'est trop facile. Le chat, hein, pas pour vous, pas pour vous. Le chat, Choco a dit, mettez un emoji cœur. Voilà. Ok, là, vous mettez tous un emoji cœur dans le chat. Le chat, Choco a dit, arrêtez de mettre des emojis. Mettez des flammes. Voilà. Et là, si par exemple, là, quelqu'un aurait mis... Enfin, s'il y a des personnes qui auraient mis des flammes, et ben, c'est dur qu'ils auraient perdu. Vous avez compris? En vrai, c'est plutôt facile. Ah, ok, c'est bon. Choco, là, ça commence pour de vrai, d'accord? Vous êtes prêts? 3, 2, 1. On commence tous accroupis. Oh, Lexa. Non! Lexa! J'ai pas dit Choco et Gio, on commence tous accroupis.
C'est... Oh non, bon vas-y, on va dire que c'est pas grave, on va dire que c'est pas grave. Mais là ça commence vraiment, vraiment, vraiment. Choco a dit levez-vous tous. Levez-vous tous, Choco a dit levez-vous tous sans sauter. Qui a dit de sauter? Voilà. Choco a dit accroupissez-vous. Choco a dit accroupissez-vous. Choco a dit levez-vous. Choco a dit accroupissez-vous. Choco a dit debout. Choco a dit assis. Choco a dit debout. Assis. Oh oh, oh. J'ai pas dit Choco a dit. La première personne. Non, t'as pas gagné. C'est la première personne qui s'est trompée. C'était toi, Alex. J'ai pas dit Choco a dit debout. Eh oui, tu as perdu. Faut vraiment faire attention. Ouais, c'est toi qui es nul. C'est toi qui as perdu. Faut pas rager comme ça. Alors, on continue. Faites attention parce que là, ça risque d'être difficile. Choco a dit debout. Choco a dit sauter. Sauter. Choco a dit accroupissez-vous. Choco a dit sauter. Ouais. Choco a dit tournez-vous sans se retourner. Une seule fois. Choco a dit regardez-moi. Choco a dit faites rien. Choco a dit faites une émote. Faites une émote. Choco a dit arrêtez immédiatement l'émote. Accroupissez-vous. Non. Non. J'ai pas dit Choco a dit accroupissez-vous. La première personne qui s'est trompée c'était toi. Encore une fois, je suis désolée. Raz. Mais vous avez vraiment pas de chance. Non, mon équipier. Ça, maintenant ça se joue entre Lexa et... Faut que tu te mettes là-bas avec, avec l'autre. Raz, mets-toi avec... Mets-toi avec Alex. Raz, mets-toi avec Alex. Va jouer avec Alex. C'est qui elle? C'est qui elle? Alors... Maintenant... On va devoir... Ça va jouer entre vous deux, les filles. Ça risque d'être chaud, hein. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être encore toi qui va gagner. Elle-ci, parce qu'elle est forte. Lexa aussi, toi, c'est pas ma faute. Je dis la vérité. Je dis la vérité et seulement la vérité. Donc bon. Mais bon, j'espère que tu vas quand même gagner, sinon ce serait vraiment trop dommage. Hein, Lexa? Ok, vous êtes prêtes ou pas, les filles? Il faut que là, vous me dites oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Lexa, t'es prête ou pas? Oui. Ok, alors. Choco a dit, mettez le code Choco dans la boutique. Si vous voulez la soutenir. Bah moi, c'est déjà fait. Ok, Choco. Choco a dit, épeler le code de créateur de Choco. Choco a dit... C'est quoi? C-H-O-C-O-H. Ok, C-H-O-C-O-H, c'est bon. Choco a dit dans le chat, mettez un emoji chocolat. Okay. Emoji chocolat. Accroupissez-vous. Oh, là, vous commencez à devenir fort. Choco a dit, accroupissez-vous. Choco a dit, levez-vous. Accroupissez-vous. Ah, elles sont fortes. Non, mais Raz, t'as pas le droit de finir ici, là-haut. Choco a dit, accroupissez-vous. Choco a dit, debout. Choco a dit, émote. Faites une émote. Ah, mais c'est trop difficile, là, maintenant. Elles sont devenues trop fortes. Arrêtez l'émote. Lexa, t'as perdu. J'ai dit, faites une émote. J'ai pas dit, Choco a dit, faites... C'est moi qui a gagné. Non, Lexa, t'as perdu, arrête de rager, t'as perdu. Rageuse. Voilà, faites une émote pour la gagnante. Plein d'émotes. Choco a dit arrêtez de mettre des emojis chocolat dans le chat. Et maintenant, Choco a dit dans le chat, mettez un emoji trophée pour la gagnante. Pour Ilsi, un emoji trophée. Hey. Ouais, je savais. GG. Comment, Lexa? Quoi, t'es nul? Mais non, on ne dit pas que les autres sont nuls, c'est pas sympa ça pour eux. C'est vraiment pas cool. Mais moi, je suis pas un gros caca. Oh, pas d'embrouille. Arrêtez, vous embrouillez pas. Je vais appeler vos parents, ça continue. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais toi, c'était pas toi qui étais malade? C'était. Ah, j'entends pas, ils sont tous en train de crier. Qu'est-ce qui se passe, Centurion? Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mieux? Centurion? Tu te sens... Mais il est où la personne qui est malade? C'était lui. Je me perds avec les enfants. Oui, je suis là. Est-ce que tu vas mieux, Loulou?
un peu mieux. Mais est-ce que mon père, il est là ou pas? Non, ton père, il est... J'ai reçu un message de ton père qui disait qu'il il aura du mal à venir avec les bouchons et du coup, il va pas pouvoir venir. Vu que t'es malade, même si t'es malade, je suis désolée. Mais de toute façon, là, ça va être, être l'heure, non? Quoi? Je pense que je vais aller un peu me coucher. Tu vas te coucher? Tu veux te coucher? Si tu veux vraiment te coucher, tu peux aller là-bas, là, mais il y aura un petit peu de bruit. Tu sais, là où... Les gradins. C'est là où les enfants sont partis se reposer tout à l'heure, donc si tu veux, vas-y. Vas-y, va te reposer. Ok. Allez, à toute à l'heure. Ah, les enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez qu'on fasse, pour terminer, là, un petit cache-cache? Vous voulez? Les enfants! Les enfants! Oui! Vous voulez un cache-cache? Oui! Mais non, dis pas ça. Là, vous avez la possibilité de vous cacher dans l'ensemble. Partout. Mais un cache-cache! Pas dehors, par contre. Vous avez le droit de vous cacher partout, sauf dehors. Et puis, le malade, il est où, le malade? Il se repose sur les gradins. Vous inquiétez pas. Il est où? Son père, il arrive après. Il arrivera après. Allez vous cacher. Je vais compter. Par contre, vous n'avez pas le droit. Arrête de crier. Vous n'avez pas le droit, par contre, de poucave les autres. D'accord? Cette fois-ci, vous n'avez pas le droit. Sinon, ça s'appelle d'être riche. Allez, moi, je vais compter tout seul là-bas. Hop, je vais compter là-bas. Salut à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur le live. Oh, tu. Je vais compter ici. Je vais compter juste ici. Hop. Attendez, je rêve ou quelqu'un vient de passer? C'est moi ou Lexa, elle est passée par là? Attendez, vous avez vu Lexa ou je rêve? Non, je rêve pas. Je ne rêve pas. J'ai vu quelqu'un passer. J'ai vu quelqu'un passer. Le chat, est-ce que vous aussi, vous l'avez vu? Eh, j'ai dit pas dehors. Me dites pas qu'à... Oh! C'est une blague! Lexa, qu'est-ce que tu fais ici? Lexa, tu m'expliques ce que tu fais ici? Lexa! T'as dit qu'on avait le droit de se cacher partout? Partout, sauf dehors, j'ai dit. Tu re-rentres. Allez, tu re-rentres. Mais ça va pas. Alors, est-ce que je peux me recacher? Oui, tu te recaches, mais vite. Et vite. Ça va pas. J'ai jamais vu ça, franchement. Je veux juste pas te cacher dehors, il peut se passer des choses et elle se cache dehors. Bon, moi, je vais me cacher ici, derrière la roue, comme ça, vous savez, vous voyez que je triche pas, d'accord? Allez. 20. 19. 18. 17. 16. Non, mais attendez, mais il passe. J'entends des bruits de pas, en fait. Ils sont sérieux? Bon, je sais pas. Je vérifie quand même. Ok. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Écrivez tous go en majuscule dans le chat. Prêt ou pas prêt, j'arrive. Les enfants, c'est la dernière animation. Donc j'espère que vous vous êtes bien cachés et que personne s'est caché ici. Sinon, dans tous les cas, je vais vous trouver très rapidement. Alors qu'en plus, je vous ai bien demandé de ne pas vous cacher ici. Donc j'espère que vous avez respecté les règles. Ok, personne s'est caché dans les buissons. Où sont-ils? J'adore le cache-cache. Moi aussi, j'aime trop les cache-cache. J'aime trop les petits cache-cache. Bon, après, je suis un petit peu nulle à trouver. On va pas se cacher. Oh, il y a plein de personnes qui écrivent go en majuscule, je suis morte. Où êtes-vous, les enfants? Les enfants. Je regarde dans la salle de classe, il n'y a pas des personnes qui sont peut-être cachées derrière. Non. Ok, il n'y a personne. Il n'y a... Oh, attendez. Regardez-moi ça, chut. Pas trop de bruit. Il y a un pied qui sort. Est-ce que vous voyez ce pied-là? Non mais, il y a un pied qui sort. Je vois un pied. Non, il suit. Tu voulais gagner, quoi que non, t'as pas gagné. Tu viens avec moi. Vu que t'as perdu, je vais te demander d'aller ici. C'est où? Non, c'est pas ici, c'est dans la salle de classe. Parce que tes parents, ils vont venir te récupérer. T'as perdu. Oui, mais il y a forcément quelqu'un qui va venir te récupérer. Allez. Non, moi je vis au centre. Oui, au centre d'adoption. Donc il y a tes parents adoptifs qui vont venir te récupérer. Attendez. Y a qui d'autre? Attendez, j'ai vu quelqu'un passer. Lexa.
Lexa? J'ai vu Lexa passer, vous l'avez pas vu? J'ai vu Lexa passer, où est-elle? Lexa! Oh, Alex! Je t'ai trouvé, Alex! Si, 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 je t'ai trouvé, je suis désolée, Alex, je suis désolée. Allez, tu dois devoir, va falloir que tu ailles là-bas. Je suis désolée. Non, je suis pas fort. Oh. Eh oui, tes parents vont bientôt récupérer. Salut, Alex! Non, mais je suis morte. Alors, on va essayer de trouver d'autres personnes. Il manque qui là? Il manque ma petite fille Lexa, et puis c'est tout, non? Attendez, j'essaie de me rappeler qui il y avait. Non, il y avait aussi Rats. Ça me fait penser à Aura. Pas de panique. Bord. C'est une blague. Vous voyez ça? C'est une blague. C'est une blague. Si, si. C'est une blague, en fait. Vous m'expliquez ça? Vous m'expliquez ça? Vous m'expliquez ça? Mais tu descends, mais t'es malade. Mais ah! Mais t'es fou! Mais ça va pas de te mettre là-haut. Tu t'es pas fait mal, loulou? Mais Raz, mais t'es pas bien. Tu t'es fait mal? Raz, est-ce que tu t'es fait mal? Pourquoi tu parles pas? Bah oui, mais qui t'a envoyé te mettre là-haut? Tu vas dans la salle de classe, t'as perdu, il manque plus que Lexa là. T'étais à presque deux doigts de gagner, mais faut pas se mettre sur les arbres. Je dis partout, mais pas sur les arbres. Sale fou. C'est des fous furieux ça ici. Ça fait mal. Ah oui, il s'est mis sur l'arbre, il est tombé. Et il dit ça fait mal. Ah, tu m'étonnes. Ah bon, tu m'étonnes. Ah bon? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a mon père qui vous a appelé. Je vais regarder, juste je finis de trouver Lexa et puis je vais te ramener à ton papa, ok? D'accord? Okay. Allez, je vais chercher Lexa. Ah, oh, il est tout peu cool lui, hein. Lexa, où es-tu? Lexa! Un indice! De toute façon, t'as gagné Lexa, donc en vrai, Lexa, t'as gagné! Tu peux sortir de ta cachette! Ah, le jihihihi! Moi, Lexa. Je sais où elle est. Lexa, où es-tu? Non. Hein? T'es où? Sors de ta cachette, t'as gagné de toute façon. Arrête, Lexa, t'as gagné. Ah, je suis dans la broussaille. Dans la broussaille? Mais comment je fais pour t'entendre? Dans la broussaille, ça veut dire que dans les broussailles à côté. Dans quelle broussaille elle pourrait être? Parce qu'il n'y a pas de broussaille. Mais là, je suis dans votre bureau, je casse votre bureau. Je sais pas où est-ce qu'elle pourrait être. Elle est cachée. Mais tu vois où elle est cachée? Arrêtez de me dire, je sais où elle est cachée. Ça me stresse. Dans la broussaille. Mais où la broussaille? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je la trouve pas. C'est énervant. Je la trouve pas. Bon, je veux dire qu'elle est cachée dans une autre broussaille. C'est vraiment de la triche. Hein. Lexa! Ça va être la fin, là. Il faut juste que tu me dises où t'es, Lexa. Elle est stressante. Je sais pas où elle est. Est-ce que là, je suis vers toi, là? Dis-moi, est-ce que je chauffe, juste? Tu m'indiques. Ben, je suis à l'entrée des doigts. Est-ce que je chauffe? Est-ce que tu me vois, déjà? Non. Arrête de rire. Tu ne me vois pas. Non, mais tu me dis dans la broussaille. Comment tu vas dans la broussaille? Là, j'ai fait les deux gros buissons. Peut-être qu'ici... C'est ici? Mais c'est pas possible. Viens dans la cour. Dans la cour? Ok, oui. J'arrive dans la cour. Où es-tu? Je l'ai vu, mais si je le dis, c'est la triche. Ah, mais t'es là. Mais ah, t'étais caché. Est-ce que tu peux me dire où t'étais caché? Ici. T'étais où? Ah, t'étais trop bien caché, la vie. Je t'ai même pas un petit peu vu. GG. Franchement, GG. Chapeau. Allez, tu viens. Go, on va tous aller dans la salle de classe. Enfin, je vais aller récupérer les enfants parce qu'il y a vos parents qui vont venir. Les enfants, vous êtes là? Oui, qui? Les enfants, vous venez? On va aller, il y a vos parents là qui vont venir vous récupérer. Donc normalement, il me semble, si tout est correct, vous avez juste à vous mettre ici et attendre que vos parents arrivent. Normalement, vos parents vont venir vous récupérer. Voilà, allez. Bisous. Bye, allez. Au revoir. Ciao. Mais Lexa, elle est là, ta maman. Oui, Lexa, oui, tu viens avec moi du coup, Lexa. Non mais, tu vas quand même pas partir. Non mais, oh. Bon. Bah ça veut dire que le live va être terminé. J'espère que ce live en tout cas vous aura beaucoup plu. Est-ce que vous aimez bien les lives RP?
N'hésitez vraiment pas, hein, si vous voulez aussi participer à des live roleplay ou bien si vous voulez participer, voilà, jouer avec nous en live, il faut que vous veniez sur mon serveur Discord qui est en description. Je sais pas s'il y a des modérateurs, mais d'ailleurs je risque d'ouvrir les candidatures pour devenir modérateur de la chaîne YouTube. Donc rejoignez mon serveur Discord qui est en description. Et puis voilà quoi, c'est tout. J'espère que cela vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, le code Choco dans la boutique de Fortnite si vous voulez me soutenir. Et puis voilà, c'est la fin du live. Chocolat et vanille déconnecté. Abonne-toi pour savoir quand je live. Allez, bisous. Et pour les personnes qui veulent la petite pub, la pub de la fin. Let's go! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Bisous! Écrivez cactus dans les commentaires si vous êtes arrivé.